자력으로 1등 진출은 힘든 것 같아서 다른 팀이 잘해주길 바라고 있고 저희가 부진할 때 계속 응원해주셔서 지금 이 실력이 나오는 것 같고 앞으로도 꼭 실력 올려서 좋은 모습 보여드리도록 노력하겠습니다. 저희가 연패를 많이 했는데 1승이 어렵는데 그 다음은 이제 저는 할만하다고 생각하고 저는 승강전 갈 생각 이미 했기 때문에 그 밑에 하위권 4개 팀을 다 끌어 내려가지고 재밌게 가겠습니다. Nous sommes de retour pour la fin de cette 7e semaine de LCK Twix. Et on a un BO alors avec moins d'enjeux de part et d'autre que le précédent qui nous attend, c'est Kingzone Dragonist contre BBQ Olivers, mais quand même pour Kingzone, eh bien il y a c'est le sprint hein. Il y a la première place à jouer tout ou au moins la meilleure place possible. N'importe quelle place. Faut juste gagner. Et c'est ça la magie du format de LCK, c'est que il y a beaucoup de différences entre finir 5e et finir 1er, beaucoup plus qu'en Europe évidemment. Il n'y a pas seulement un round de bye, il pourrait y en avoir 2 justement, ouais. Voire même 3 en théorie si on arrive à accrocher le sommet du podium. Donc un match avec beaucoup d'enjeux pour Kingzone, absolument aucun pour BBQ. Mais comme l'a dit Trick dans la petite introduction, ce serait marrant justement de tirer des équipes vers le bas, parce que nous on est déjà en promotion, donc on va essayer de foutre la merde, ouais. Simplement. Voilà, on va voir un peu qui on peut perturber dans leur conquête de titres ou autre. Et bah, ils ont un bon client aujourd'hui, les BBQ Olivers, les Kingzone, qui se sont un peu remis quand même. Il y a eu des moments de flottement sur ce Summer Split pour Kingzone, mais dans l'ensemble, ça reste quand même un très gros Summer qu'il nous propose, Twix. Mais pas, alors c'est sûr, pas aussi dominant qu'au Summer de l'année passée ou qu'au Spring. Le titre n'est pas garanti. Pardon ? Le titre n'est pas garanti. Non, évidemment. Le titre n'est pas garanti, mais il faut dire que le niveau sur ce Summer Split est très relevé. Il y a l'arrivée d'équipes comme Griffin, par exemple, qui ont un peu chamboulé la hiérarchie, et donc Kingzone fait quand même un très très bon Summer Split, je pense qu'il faut le rappeler, même s'ils ont été pas mal critiqués pour leur performance au Rift Rivals. Oui, pour vous donner un petit exemple, les stats de Griffin, c'est 26 games gagnés pour 13 perdus, et pour Kingzone c'est 24-15. Donc vraiment on n'est pas très loin du tout, et pour le coup, mais le truc c'est que en général c'est vrai que quand tu regardes comme ça sur les BO, enfin, pas sur les BO, mais sur le nombre de gagnés, de games gagnés perdus. Ah oui, il y a rien. Hein. C'est assez ouf. Il y a pas tant d'écart que ça. Après, voilà, dans l'absolu, ça compte quand même à la fin, bien sûr. Et les joueurs Kingzone qui s'illustrent, enfin, les mêmes joueurs Kingzone plutôt. Voilà, ça je voulais dire, s'illustrent à travers les différentes parties. Khan et BDD qui ont à eux deux 17 finalement MVP de récupérer, ce qui est extrêmement, extrêmement solide. Et pour les derniers résultats de Kingzone, on a en dernier match en date, c'est un 2-1 contre One Life Esports en tout début de semaine. Et juste avant ça, 2-0 sur les Freaks, 2-1 sur les KT. En fait, ils ont. Les Kingzone, après une période où ils ont été un peu critiqués,
notamment après leur défaite 2-0 contre Griffin. Ouais. Ils se sont bien repris et comme tu l'as dit, ils ont battu des équipes importantes à battre. Africa Freaks, Katie. Donc les voilà ici, les Kingzone, prêts quand même à jouer la première place et à arracher peut-être une troisième finale consécutive. Ouais, on a... Apparemment Peanut également qui va officier au poste de jungler. C'est Rascal ou Khan? Parce qu'on a pu voir Rascal c'était aussi Khan. Récemment. C'était Khan. Quasiment sûr que c'était Khan. Et contre les BBQ, mieux vaut je pense côté Kingzone sortir directement le Khan. Qui devrait assez facilement normalement s'imposer. Sous réserve de draft avantageuse. 1000 points de MVP pour Khan, hein, franchement. Ouais. Et pourtant, il a fait quelques trucs bizarres parfois, ouais. Khan, mais dans l'ensemble, c'est toujours pareil parce que les gens ont tendance à retenir vraiment le négatif en général. Mais cette équipe Kingzone, encore une fois, elle fait quand même un très bon summer split et elle peut toujours être première. Donc, c'est Trick. On a notre duo coréen de LCS Europe. Est-ce que Trick va nous sortir un petit truc dont il a le secret, un petit Ivern? Oui. C'est vrai que c'est assez chaud. Il y a des petits tips qui sortent sur Ivern en ce moment, notamment quand tu poses des buissons à côté de relief, tu peux te cacher dans le buisson alors que t'es encore en contrebas en fait. Il y a des petits trucs comme ça, assez sympa. Mais bon, BBQ, voilà, les statistiques ne manquent pas. 2 victoires, 14 défaites en BO, 9 games gagnés pour 30. De perdu. Ouais, pour le coup, les BBQ sont vraiment la grosse lanterne rouge de la LCK. By far. Hein. Ouais. Mais en même temps, pour les BBQ, les seuls adversaires qui sont, on va dire, acceptables, c'est ceux qui sont juste au-dessus, hein, les Jiner et les MVP. Mais qui même. Tout le reste, c'est genre, c'est God tier. Bah, tout le reste, c'est largement au-dessus de BBQ, c'est sûr. C'est quand même le top 7 de LCK, hein. Griffin, Génération Gaming, Katie Roster, Kingzone, Anoa, Africa et SKT. Ouais. Ça fait pas beaucoup de place tout ça. Non, bah d'ailleurs il y aura des déçus. Hein. Les premiers ce sont les SKT bien sûr. Les deuxièmes pourraient être les Africa Freaks. Réponse la semaine prochaine dans leur match à distance maintenant face au Anoa Life. Et on un petit aperçu de l'historique entre deux équipes. Ils l'ont fait quand même une fois, les BBQ. Ils l'ont fait cette année. C'est vrai, c'était pas la première défaite des Kingzone au Spring. J'arrive pas à me souvenir en détail. Parce que c'est round one, donc je crois que les Kingzone. Ah non, parce que Kingzone avait perdu contre KSV leur premier match. Et après, série de victoires jusqu'à cette défaite contre BBQ. Et bon, ils ont pas perdu beaucoup de matchs au Spring non plus, les Kingzone. Hein. Je crois qu'ils avaient. Quand c'est des 3 BO, il me semble, en saison régulière. On peut vérifier ça. On va aller voir ça. En tout cas, combien sur les deux dernières rencontres, c'était 2-0 sans ambiguïté. Bah non, c'était 2. Ouais. Donc BBQ faisait partie des deux équipes qui avaient fait tomber les Kingzone. Au passage, ouais, ce Spring de Kingzone, c'était assez démentiel quand même, les résultats qu'ils ont réussi à obtenir. Et je me demande si c'est pas la meilleure paire Favor en LCK en saison régulière. On a quelques stats assez sympas. 59% de First Blood. Son premier, bien sûr, sur le ratio. Première tourelle à 61%. Son second. Tous les voyants sont au vert, en fait, finalement. Et pour le classement des BBQ Olivers, eh bien, vous pouvez voir un 9e position sur KDA, moyenne de kill. Round 2. Qu'est-ce que c'est, round 2? Deuxième partie du split, certainement. Ou match retour plutôt. Et des lose 1-2. Il aurait arrivé 3 fois. Ah non, c'est pas la meilleure paire Favor en saison régulière de LCK. Il y avait un SKT, non? Il y avait SKT en deux, après la défaite au MSI 2015. Oh, ils étaient leur summer split était vraiment énervé, ils avaient perdu un seul BO. Ce bon vieux 17-1. Ouais, 17-1, c'est bon, 16-2, c'est exceptionnel aussi. J'ai vu les rebelles anarchies sur la liste, ça remonte. Avec Mickey, hein. Ouais, ça remonte tellement, tellement loin. Et Najin. Les Svenus. Najin, mec. Ouais, Najin. Avec Watch. Les Koo Tigers. Il y avait Peanut à l'époque, hein. Ouais, il y avait Peanut à l'époque. Chez Najin, et c'était après les fusions. On avait déjà plus les Black Sword, Wild Shield, Blaze, Frost. Ces trucs là
Et Katie Rolster avec Someday, bien sûr, ce bon vieux Someday OTP Renekton. Qui maintenant est en Amérique du Nord. Et propose de belles clown fiestas. T'as regardé un peu les matchs? Non, j'ai pas regardé, j'ai vu les tweets par contre. Apparemment, c'était fabuleux. Franchement, le CLG Echo Fox, je pense qu'il entre dans la légende des clown fiestas. Ouais. C'est pas une blague, franchement. C'est pas une blague. Je suis sûr qu'il y a eu un glorieux oui. Non mais tout était glorieux dans le match. Le match était glorieux de A à Z. On rappelle, il y a une nouvelle session de LCSNA hein, dès ce soir, 22h, ouais. C'est le rendez-vous. Ouais. Et si vous cherchez la game Optic Gaming, ce sera la toute dernière, il me semble, contre Clutch. Les Clutch Gaming, donc Febiven, ils sont en dernière position. Donc peut-être une nouvelle semaine en 2-0 pour Optic. Bah on l'espère, leur match hier était sacrément accroché contre FlyQuest. Aussi endormi avant la fin par contre. Mais... mais bon. C'est une glorieuse victoire. Et ouais, mais là du côté des Optic, on. C'est pas mal. Il peut pas faire top 1 parce que Liquid a gagné. Non, il peut pas faire top 1 tout de suite. Mais imaginons il fait 2-0 là, il a 6 victoires d'affilée. Il a 8-6. Il a 8-6. Ouais, et du coup, la semaine pro, il y aurait peut-être moyen d'accrocher à première place. Hein. Incroyable. En tout cas, il est quasiment. Mais franchement, je lui ai dit à Zab, je lui ai dit, et je disais à Romain aussi, franchement, les NA sont tellement nuls, les gars, gagnez cette région. Quoi. Ouais, genre, c'est pas possible, ils sont trop nuls. Ils sont trop nuls, vous devez gagner cette région. C'est vrai que ça a pas pris longtemps pour que Optic finalement recolle au niveau en fait, hein, parce qu'on sait que les nouvelles équipes, voilà, tu mets un petit split quand même à te mettre un petit peu sur la voie. Bah en fait, enfin. Ouais, disons que Zab, bon, on le connaît très bien, tu vois. Enfin, moi j'ai habité pour un moment avec lui, c'est un super pote, et enfin, je sais ce dont il est capable. Maintenant, genre, imaginons qu'il joue vraiment le haut du tableau, tu Salut. Vois, en moins d'un an. C'est big. Hein. Bah, c'est big, hein, c'est big, mais sa progression serait vraiment énorme. Mais après, tu vois, ça questionne un peu aussi sur les staffs en place, quoi. Parce que si un mec qui est rookie et en un an joue le haut du tableau. Quelle question! Tout le coaching staff, la plupart des coaching staff ou des mecs titulaires, c'est soit des OPSP qui nous viennent finalement de Corée et qui bitent pas un seul mot d'anglais. Ou soit t'as des mecs qui sont juste ponceaux, quoi. C'est un scandale. Je suis d'accord, mais c'est pour ça que je dis que la progression de Zab est cool. Et on sait jamais, bon, je vais pas le jinx ou autre, mais il y a moyen qu'il joue les premières places en saison régulière au moins. Et après on verra, bien sûr. Enfin, il reste quelques semaines à jouer. Mais ouais, enfin. Si son idylle peut exposer justement la plupart des fraudes qu'on peut avoir sur le ladder nord-américain, c'est pas un mal. En tout cas pour la compétitivité de la région occidentale. Je suis d'accord. Mais c'est vrai, au-delà du fait que ce soit une progression fulgurante. C'est cool, tu vois, mais quand même, enfin. Ça soulève des questions. Ça soulève des questions, genre, je suis pas sûr qu'il aurait pu avoir la même progression en termes de résultats en Europe, tu vois. D'accord. Après, peut-être que si, hein. Mais. Quand même. Oui, Peanut. Alors, on rentre dans la draft, bien sûr. Morgana, Alistar, Kindred, Ban en Blue, Talia, Ryze, hein, donc, et Aatrox. De retirer par BBQ, First Pick Tamken, je réponds avec Varus, Trundle et Peanut qui nous fait tous les champions. Avant de s'arrêter sur Gragas, on l'a vu présélectionner Lee Sin, c'est en prévision du 8.15, hein, ce Lee Sin, très clairement. 8.15 qui sera certainement le patch des playoffs. Et si c'est effectivement ça, il y aura du Lee Singa. Oh oui! 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 Ah, de toute façon, une fois par an, minimum. On veut du Lee Sin. Une fois par an et. Logiquement pour les Worlds, on devrait avoir retour de Corki, retour de Lee Sin et tous ces trucs là comme d'habitude. Mmh. Tout ce qui est bien sûr Pestacle. J'espère. Prey avec une Golden Arrow qui est lâchable. Ouais, intéressant côté Kingzone, le bon vieux Ash Gragas. Un combo vieux comme League of Legends. En termes d'initiation, c'est assez sympa avec d'autres. C'est grâce à ça que Fnatic a remporté le du monde en saison 1. Non mais. Son maboule. Il fait chaud aussi en Corée. Quel regard de se marrer. Évidemment. Ouais, mais c'est climatisé quand même, non. Faut abuser. On dirait une sorte de box. Hey. Alors, Zoé qui a été ban du côté des BBQ. Normalement, c'est un match-up que Azir n'aime pas trop. Gangplank a été ban côté Kingzone.
il va se prendre un Velkos droit dans la bouche, hein, Tempt, hein, si c'est pas banni. On sait que Billy avait sorti le Xerath la semaine dernière, mais c'est parce que le Velkos était ban. Mmh. Ouais. Mais. Petite interlude, on dit. S'il vous plaît, diffusez la Chine à la place des NA. On s'en fout s'ils sont des redifs. En fait. On peut comprendre ce que tu dis, mais. On peut comprendre, mais déjà, on n'a pas les moyens humains de couvrir toute la Chine. Et ça l'intéresse pas tant que ça. Et le truc, c'est que les redifs, malgré ce que tu peux penser, bah on reste. Et, en fait, le gaming reste une entreprise et c'est sans doute moins rentable pour nous de diffuser la Chine que l'Amérique du Nord, tu vois. Enfin, pour parler franchement, donc. Voilà. Et encore une fois, je pense qu'on n'a pas les moyens humains de couvrir la Chine. Voilà, et le lundi, il y a Fed in China. C'est ça. Il permet d'avoir. C'est un condensé. C'est un pas bon parfait, résumé, mais ça voilà, va. Bien sûr. C'est un condensé, ça va s'améliorer avec le temps. Donc bon. De toute façon, la Chine, on les revoit dans les rendez-vous internationaux. Ouais, ils sont. Et cette année, ils font vraiment figure, peut-être de favoris. Ouais, il y a eu pas mal de rebondissements sur le Summer Split. Par exemple, RNG est troisième de sa moitié de ladder, puisque c'est deux poules de 7. Ouais. On a Invictus qui est toujours extrêmement fort, par exemple. On va voir s'ils rechoqueront au niveau des playoffs comme c'était le cas au printemps. En tout cas, on a avancé au niveau de la draft et ce sera. Oh là là, une Leblanc contre Azir. C'est vrai qu'Azir c'est très très faible en early, mais. Est-ce que Leblanc est le meilleur moyen d'appuyer dessus? Pas convaincu. Ce sera Aurélien Sol et une game turbo pour les King Zone. D'ailleurs, affront extrême. J'avais pas vu, mais affront extrême ici. Avec donc Crazy qui va certainement nous jouer un Jace face à Khan. Ouh, ça va être sympa ça! Et Khan qui a sorti donc, puisque Redside, c'est Ghost qui a pris le Jace donc. Et on a répondu après avec Camille. Du coup, il va jouer Camille contre Jace. Il va pas jouer Camille contre Jace. Il a choisi de jouer Camille contre Jace. Ouais. Ou alors c'est Gragas top et là, rect. Donc du coup, si vous voulez le meilleur tips anti-Jace par le meilleur joueur de Jace au monde, et bah lui, quand il fait Jace, il joue bah Gragas. Oh non, rect. Camille, pour qu'on ait un match-up un peu plus explosif du coup. Aurélien Sol, intéressant. BDD qui est, j'aime bien le profil de ce joueur parce que au-delà de son talent brut, il peut tout faire. Il aime bien jouer ses champions qui sont, qui peuvent énormément décaler et qui sont au service de l'équipe. Mais du coup, par contre, alors s'il a pas de Camille top. On s'oriente donc vers un axe plutôt botlane hein, pour ouais, Lily normalement. J'avoue que je viens de run une simulation dans ma tête, genre des 5 premiers niveaux Camille contre Jace. Je vois pas dans quel univers Camille s'en sort. J'ai du mal aussi. En vrai. Je pense que c'est pour ça. Hein. Ouais. Parce que le tactical sweep avec la comète c'est bien mignon, mais ouais. Quand il saute avec son marteau, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc maintenant finalement, oubliez tout ce que je vous ai dit. Donc Khan, il est Keblo avec un Gragas dans ce match-up. On va voir si ça lui permettra de tenir suffisamment longtemps. En tout cas, le temps que BDD prenne le contrôle de la game, puisque c'est ça le plan de jeu des Kings on Dragon X. C'est d'avoir un rayon sol qui aura tellement la priorité sur Azir dans les premiers niveaux que finalement il va valider toutes les invades de Peanut. Oui. Et probablement donner lieu à un certain carnage dans la jungle. Ça va être intéressant. Effectivement, BDD est le premier point d'ancrage côté Kingzone. S'il domine la mid lane, il donnera de l'espace à sa Camille. Il pourra, derrière, agir sur sa bot lane, agir peut-être sur sa top lane également pour passer dans le dos de ce Jace. Ouais. Et c'est ce qu'on attend, bien entendu. Kings of Dragonlance contre BBQ Olivers. Match 1. Tout de suite. Ah mais c'est Spotify. Oui, y'a pas de transi. Là y'a la transi est moins. Et ils ont monté les micros dans le dans le public, non? On a entendu un mec qui murmurait beaucoup plus fort que tous les autres qui s'égosillaient. BBQ. Le poulet. Ah j'aime bien ce genre de moment où on respecte. On va pas mettre une petite auto. Non, pas de BM. Ah,
Bon, bien entendu, les BBQ Oliver sont un très gros late game, un très très gros scaling avec le Azir, le Jace, mais les Kingzone sont là pour jouer l'early game, Twix. Et c'est Aurelion Sol, et donc jouer rush phasique, célérité bien sûr. Ouais, il a également le Nullifying Orb, le petit Hexdrinker. Oui. Contre Azir, ce qui est plutôt curieux. J'ai l'impression que ce soit... La vache, il a pris tellement cher. C'est peut-être nécessaire hein, finalement. Et bien entendu, le Time Warp tonique. Et vous pouvez voir un petit peu en ce moment les pro players qui ragent un peu sur la synergie entre cette maîtrise et les cookies. Et les cookies. Mais il a pas les cookies. Mais il a pas les cookies, ouais. Il a des intégrateurs. En tout cas, il a célérité et waterwalking, donc il a pas pour vocation à rester sur sa lane, très clairement. Ah oui, c'est waterwalking, oui. Ouais. Je pensais que c'était brûlure, mais ouais. Non, par contre, la brûlure, ouais, elle est sur Khan. Avec son Gragas à notre Doran. Oh, Crazy qui va louper ce Q-spell, dommage. Il va avoir l'avantage, Crazy. Hein. Les Kingzone qui n'ont pas drafté pour donner l'avantage à Khan sur la top lane. Ils ont vraiment, disons que le joueur qui va vraiment devoir tout débloquer, c'est d'abord BDD du côté des Kingzone. Et Khan, on va dire, bénéficiera ou non des efforts et des réussites de son jungler, plus ouais. De son mid laner. Oh. Mais lui, il va devoir subir un peu. Par contre, Crazy, qui pourrait faire beaucoup mieux dans son 1v1. Ouais, franchement, Khan, il aurait pu lâcher un pargon qui dab hein, là, sur ce coup spell. Bon, je sais pas si je fais bien le bruit, mais vous voyez l'idée. Je l'ai reconnu. Mais oui, c'est surtout Peanut qu'il faut suivre pour les Kingzone. Et attention, Jace, ça se gank assez facilement aussi. Hein. C'est ça, plutôt tendance à jouer haut pour oui. Maintenir l'avantage. Ça peut être un très bon choix de gank pour Peanut. Forcément. Pour BDD plus tard dans le match également. Crazy qui reste là. Ils ont vu tout à l'heure Peanut. Hein. Et Peanut qui ne se montre pas tout sur de le suite. Check. Ah, ça va être midlife. Hein. C'est pas mal. Ça va être midlife. Tactical sweep. Et le midlife précisément. Et BDD qui n'est pas si bien installé sur cette mid lane. Est-ce qu'on a le hookshot pour Peanut? Parce que le duel, il est bien entendu perdu. Oh, ouais. Gros avantage en faveur du Trundle dans tous ses trades frontaux. Trundle qui est tellement le boss. Ouais, dans les premiers niveaux, c'est incroyable. Sa morsure, c'est n'importe quoi aussi. T'arrives à claquer le Prezi attaque avec une rotation. Ouais. Et c'est un peu cramé. Bon, heureusement, il se calme assez vite. Ah, faut le tenir les 15 premières minutes de jeu, Trundle. C'est ça. Et après, c'est juste un esclave. Ou alors, il est à 3-4-0. Mais oui, Khan qui trouve quelques phases de poke. La comète qui n'est pas négligée dans le retour de Gragas sur la top lane. Un petit body slam, toujours ce poke. Crazy en difficulté. Crazy. Crazy, c'est le back TP. C'est pas le base Jace que j'ai pu voir hein, sur la top lane pour l'instant, Crazy. Oh, par contre, c'est peut-être le best gang. Khan qui... Ah, First Blood! First Blood, mais qui normalement, grid. Khan devrait mourir. Pourquoi il ne TP pas TP, Khan? Ah bah non, il va prendre le TP de Prey en soutien. Et il faut annuler... C'est Crazy qui revient. Ah, c'est Crazy qui revient. Ouais, les rest timers qui sont très très courts. Khan aurait pu TP, hein. Bah ouais, oui, il bah c'est Trundle sans pilier, hein, voilà. Mais finalement, il avait totalement confiance en sa tankiness. Après, il vaut peut-être mieux que sa H lâche son TP plutôt que lui, sachant qu'il est dans un match-up, encore une fois, qui est censé être un peu volatile, mais en sa défaveur, logiquement. Mais là, on le voit, il le bosse parfaitement, il prend ce First J'arrive Blood. J'arrive pas à y croire. Mais enfin, qu'est-ce qu'il fait, Crazy? Il a pris Jace par défaut en se disant, faut pas que je laisse à Khan. Franchement, cette phase de jeu, je suis désolé. Ouais, il s'est fait archi-bolos. Ah ouais. En plus, il le voit rentrer dans le buisson avec les casters. Et il veut quand même continuer son back. Non, mauvais, non, non. mauvais là. Très mauvais hein, pour Crazy. Il mérite de remourir d'ailleurs. Peut-être sur une intervention de BDD. BDD qui a du mal à allier les astres sur ce carapace. J'avoue, la séquence de jeu était un peu étrange. Bon, malgré tout. J'avais plus l'impression qu'il voulait envelopper le carapateur que le toucher lui faire mal. Ouais, après bon, il pouvait quand même claquer les dégâts quoi, Peanut aurait apprécié je pense. Trick est repéré du côté des Kingzone. Et donc ce First Blood de Khan. Genre... étonnant. Impossible. Et j'ai l'impression que ça dessine une sacrée tendance, il va se refaire soloter.
Kane qui n'a plus d'ulti, attention l'arrivée de Trick, il a un pilier, Kane bon. Qui n'a plus rien et qui va tomber cette fois-ci. Le kill sera pour les BBQ Oliver, c'est pour Trick. C'est pas tout repos non plus, la wave n'est pas dans la bonne position, on pourra pas deny DCS, attention à Ghost. Oh Ghost, oh Ghost, le flash out, le flash in non. Et ça va être un kill pour la duo lane des Kingzone, mais c'est peut-être pas fini, Agnar pourrait tomber également, Agnar qui s'est attardé. Yippie. Et qui devrait sans doute tomber sur ce all-in de la part de Pin, double kill pour Prey, tandis que BDD prend la top lane pour les Kingzone. Ils se font archi bolos de tous les côtés. Bah quand même, Brom Varus qui se fait éclaté par Tamkench H. Alors bon, Tamkench H, ça peut être puissant, mais... Ouais, on se demande comment Gorilla a trouvé autant d'auto-attaques sur Ghost. Oui, ça c'est une vraie question. Mais là, il a dû passer 6 et mettre son nul qui canne, hop, vient ici. J'avoue qu'il l'a bien joué quand même, son petit duel. Au final, il rebondit plutôt pas mal et surtout il prend le kill. Ah, le body slam qui a un gros cooldown hein, quand il est pas up. Je crois que t'es à 11 secondes. Ouais, ça réduit aussi quand tu touches, mais c'est pas évident en début de partie. Dans les tout premiers niveaux, ouais, c'est un peu, ça peut être short. On était clairement trop devant hein, pour Ghost. Ouais, mauvais positionnement. Et Gorilla et Prey qui punissent parfaitement. Et voici les Kingzone qui sont lancés. Bien lancés Twix, très bien lancés dans ce match. Ils sont dans de bonnes dispositions pour sécuriser ce premier dragon qui, encore une fois... Infernal hein. Infernal hein. Aujourd'hui c'est terrible. C'est la fête. 2-0 pour la hache de Prey. Sabre vicier, pas double dagger. Ça enferme. C'est la botlane qui vient d'être anéantie sur ce move. En plus que ça lui a même pas coûté son flash après, donc il est vraiment max encore. Et il va reprendre son TP là. Ouais, pour la BRK. Et en plus ils ont fait ça alors qu'ils ont même pas les summoners de fight. Hein. Non. Du coup, Prek il va pouvoir trouver... Ah bon ? Il va pouvoir trouver donc un timing où il sera en BRK contre un sabre vicier et ça c'est complètement dingue puisque Ghost est avec un heal. Comme tu l'as dit. Ouais. Après, bon, Gorilla a un heal aussi, mais Crazy pendant ce temps-là qui se fait travailler. C'est un nouveau kill pour les Kingzone. Archi clean. Très belle activité du côté de Peanut. On passe bot, on passe top. Et ouais, non, mais alors c'est vrai que Gorilla a aussi son heal, mais. Mais du coup, c'est vrai que bon, ça met à peu près les deux duos au même niveau. Parce qu'ils ont que la cleanse Aignar est pas. Et pas absolument décisive quand le 2v2 se lance, je pense. À moins qu'il y ait flèche de cristal. Oui. À moins qu'il y ait flèche de cristal. Ça peut servir, bien sûr. On va gagner un petit peu de temps. On revoit Kal hein, qui est très au point sur ses fûts explosifs. Même si on se souviendra toujours de ce tonneau contre Genji. Si on parle juste du fait de ramener le mec au bon moment, enfin sur le timing de la fin de son zonia, c'était parfait. Hein. Ah ouais. Par contre, les conditions derrière n'étaient pas parfaites. C'était frame perfect. Même. C'était frame perfect. Frame perfect. C'était frame perfect. Mais ce Galio avait son taunt. Et c'était un Galio. C'était un problème. Mais frame perfect, quand même. C'est un bon move. Niveau exécution. Par contre, niveau brain, bien sûr, c'est... En tout cas, les Kingzone qui dominent bien ce match. Pour l'instant, et Khan... qui met une petite leçon à Crazy. Petite. Ah, c'est assez énervé quand même, c'est vrai que... Ouais. J'aurais aimé une petite brillance histoire d'appuyer bien dessus. Il freeze Khan. Oui. J'ai l'impression qu'il a pire envie du freeze à un moment. Mais ça veut dire... Qu'est-ce que ça veut dire tout ça, ça veut dire qu'il freeze en attendant parce que Peanut est sur le bas de la carte. Et qu'il a peut-être des doutes sur le positionnement de Trick. C'est une source de gold inépuisable hein, sur le papier Crazy là. Il lui met juste des sessions avec Comet et ou Brûlure. C'est ça. Et on reste au sustain derrière les minions tranquillement. Par contre mid lane, je suis assez surpris par la résistance de Tempt. Bah, qui vraiment ne valide pas du tout le moindre déplacement de BDD. Honnêtement ouais, je pensais qu'Aurelion Sol réussirait. Ouais. Plus à prendre l'ascendant, mais du coup,
ça devrait pas arriver maintenant normalement, parce que Azir au bout d'un moment justement ça a un des clears les plus solides de la mid lane. Oh bah là avec Darder et les bots, je pense que niveau wave clear effectivement, bah le truc c'est qu'Aurélion Sol ça a pas beaucoup de portée pour wave clear malgré tout. Donc en conséquence il doit attendre que Tempt clear sa wave avant de clear la sienne. Il fait que la priorité elle est pas vraiment pour Azir parce que il a quand même des moyens de décaler avec son Aurélion Sol que Azir n'a pas. Mais on n'est pas loin. Peut-être que l'arrivée de Pinot pourrait changer les choses, mais Pinot qui est pas trop passé. L'ultimatum Hextech se fait ardemment counter par la partition impériale. Oui. Donc c'est pas évident non plus. Après, s'ils sont en plein milieu de la zone, ça le pousse en dehors. Je pense que ça le pousse, ouais. Je pense que ça le pousse. Après, le truc, c'est que tu dois vraiment attendre que l'ultimatum Hextech soit lâché, installé, puis ulti. Ouais. Sinon, tu peux te retrouver avec une Camille qui saute par-dessus. Ça c'est clairement un peu le lucky. Un peu le lucky. En tout cas, les Kingzone, c'est vrai que je pense que vraiment ce qui leur manque, c'est beaucoup plus dominer cette mid lane. Parce qu'on s'attendait à ce que l'Aurélion Sol fasse un taf délirant en early, mais finalement. C'est le top. C'est la lane où j'imaginais le moins Kingzone être en position de gagner qui gagne. En plus, il va lui mettre un gantelet givrant. 100%. Ah bah oui. Bah maintenant, Gantlet Givrant, c'est un des gros standards hein, pour Gragastop. Ouais. Mais du coup, je sais pas s'il serait pas. Attention, voilà, il est passé au-dessus. Il est passé au-dessus. On l'avait dit. On l'avait prévenu, Tempt. Oh. Peanut qui réussit son gank. Et voilà, enfin, cette midlane qui se débloque, Twix. Et bien débloqué pour et le là, coup. Les Kingzone sont très heureux hein, parce qu'avec ce qui vient de se passer, ça va encore plus les mettre dans le sens de la victoire. Attention aux astres, et Crazy qui est là également, le décalage de Gorilla, on veut chercher absolument 7-1 pour Kingzone. Et ce gank sera payant. C'est Kingzone qui récupère la première tour du match, Twix. Première tourelle sur un gank inattendu. Ça, on fait des goals et on revoit en détail donc. On disait hein, ce petit lob. Ouais. Ouais, trop tôt pour Crazy. Après, s'il le mettait plus tard, il serait peut-être tombé malgré tout. C'est vrai que le burst d'Aurélion Sol était. Ça va vite. C'était solide. Il y a un flash qui a été consommé par Ghost apparemment. Il aurait dû flash direct, je pense. Hein. Oui. En fait. Donc, pas de flash pour Ghost. Ça veut dire qu'il y a une. Ça veut dire flèche de cristal. Ça veut dire flèche de cristal, ça veut dire T1 dans le collimateur des Kingzone. Parce qu'il y a le dragon infernal. Donc, il y a un motif pour être botlane, quoi qu'il arrive. On a back. Du coup, les Kingzone. Ouais, bon, ils vont clear back et revenir avec un petit reset. Je pense pas qu'il se passe autre chose sur cette top lane avant que Khan ait sa brillance. Ouais, pas non plus trop appuyé mid lane. La seule bonne nouvelle pour Tempt, c'est qu'il est tombé sans avoir à consommer son flash. Il aura peut-être de quoi se défendre pour le second round. Et le swap lane. Des BBQ, mais dans une situation un peu compliquée. Plus swap lane contre un Gragas, c'est. C'est un bon champion pour un V2. Largement. Il y a des sombres époques où les Gragas prenaient les blue buffs et tenaient justement tous les swap lane solo. En plus de ça, les Kingzone sont en train de se regrouper. Ils ont l'information sur tous les joueurs BBQ présents sur ce top side. Donc même si BBQ voulait jouer le héros de la faille. C'est bien verrouillé par les Kingzone et je dirais même plus, il y a moyen d'aller chercher Peanut en tout cas, qui se montre hyper agressif. Ouais, il est escorté par les faucons de H et il est toujours à portée de la traversée des abysses au cas où les choses tourneraient au vinaigre. Il a du soutien derrière lui Peanut et il peut jouer sa Camille dans les meilleures conditions, contrairement à celle de Spirit précédemment, où il a été forcé de partir sur un Tiamat pour se maintenir à flot. Ici, on est bel et bien parti sur la Triforce et même plutôt en avance. Cette double ward dans le dos des BBQ, elle aurait pu être intéressante dans beaucoup d'autres matchs, mais BBQ qui joue avec une seule téléportation. Et donc, alors on verra, le Jay, c'est à la moitié de son cooldown, mais je pense que les wards auront disparu d'ici là. Donc on pourra pas avoir de TP dans le dos du duo des Kingzone. Après Gorilla qui devrait être a priori en sécurité. Attention tout de même, l'arrivée du Trundle peut-être. Ouais, attention à pas sous-estimer Ashe, elle est en BRK et Ninja Tabi. Il fait que Varus a des dégâts très approximatifs sur elle. Tout comme Trundle. Attention Peanut.
Pinot qui force le flash et qui flash in. Il va le chercher, Pinot. Il va mettre cet ultimatum X-Tech. Il sait qu'il peut le prendre. Et Khan qui se fend quand même d'un flash. Body slash du côté de Khan pour assurer le kill. Ouais, c'était peut-être pas nécessaire. Et peut-être pas. On aurait pu garder ce body slash pour le prochain round quand Crazy n'aurait pas eu son flash. Dans tous les cas, les Kingzone là qui engrangent des kills. Ah, ça va et nouvelle tour. Ça va snowball jusqu'à la fin des temps. Il manque plus que la T1 top. Et c'est donc le prochain endroit où on peut attendre Peanut. Surtout que Dragon Infernal en poche, il ne reste plus que le héros de la faille. Héros de la faille peut-être Ragnar à utiliser sur les T2. Est-ce qu'Ainar espère tuer les BBQ tellement qui essaient d'être créatifs, mais franchement, on a vu mieux de la part d'Aignar. Il a un brome après, hein, c'est pas. Il a un brome. C'est loin d'être idéal pour lui dans ce format-là. Il est plutôt impuissant par rapport à ce qui se passe. En tout cas, il n'a pas d'argument à faire valoir contre une Camille. Contre un Gragas, bien sûr, mais un Gragas top, c'est compliqué. Il est loin de lui. C'est vraiment que la hache de Prey et le mal a déjà été fait, malheureusement, hein, sur ce côté. L'ulti de BDD aussi. L'ulti de BDD. Mais enfin, faut être parce que ça va vite. Hein. Ça va vite. Bon. C'est plus de l'anticipation par rapport à la situation qu'une vraie réaction. Ou de l'éventuelle nullité de BDD. Oui. Aussi. Mais bon. On n'est pas tellement habitué à cela en provenance du midlaner qui nous a. Pas vraiment. Ouais, dommage. Pas à croire qu'il est give up ce canon. Dommage pour BDD, le canon qui passe au travers. En tout cas, les BBQ qui essaient pour l'instant de tenir la route, mais avec ce match-up perdant en side lane alors qu'ils ont pris Jace, rien ne va plus, Twix. Hein. Comment ils peuvent retourner la situation à partir de là? Peut-être en tuant Prey, mais Gorilla a son flash, ça paraît très. Il a flash et cleanse, ça me paraît pas possible. Belle chaîne de corruption défensive, mais les Kingzone qui peuvent annuler le trade. C'est maintenant pour Trick. C'est pas mal, ils s'y attendent pas du tout. Et si finalement, il l'avait peut-être pressenti, Prey. Il a lâché la ping dans ce buisson. Évidemment, le gang surprise de Trundle. Bon, il n'est pas très spectaculaire. Bon, ouais, c'est parfaitement négocié par les Kingzone hein, qui contrôlent tout simplement dans ce match. Qui sont en train de manger les BBQ Olivers. Oh, ils le mangent. L'aile ou la cuisse? Le bucket. Le bucket. L'aile ou la cuisse, le bucket. Très très bonne réponse. La meilleure. Le re de la faille qui sans surprise va tomber entre les mains des Kingzone. Disons-le, peuvent très bien terminer cette game en 10 minutes. N'ayons pas peur de le dire. Oh, ils peuvent. Oui, ça peut terminer avant les 30 minutes de jeu, ce match. Crazy, il y a plus de flash, hein, il me semble. Crazy et Khan qui peut enfin intervenir un peu sur le côté. Parce que finalement, il aura très peu pu décaler par rapport à ce qu'on attendait, Twix. Mais bon, Khan qui est en train de marcher sur Crazy. Le match-up a vraiment été dans le mauvais sens. Ouais, ne joue pas Jace contre moi, non. Full. Oui, parce que moi, je vais call mon jungler. Il va venir. Ou alors tu peux jouer Jace, mais fais en sorte d'avoir un combo bot lane qui nécessite la présence d'un jungler, sinon. Ou alors défonce-moi grave et appelle ton jungler derrière, quoi. Mais... Ou alors joue mieux. Ouais, joue mieux, mais s'il a pas très bien joué, tu vois, il y a plein d'actions où on a vu Crazy louper des skill shots dans des moments importants. Ce qui illustre vraiment les bons Jace des mauvais, c'est la gestion de la gate. Ici, cette gate que tu utilises comme un stéroïde de vitesse de déplacement permanent, parce que chaque fois que tu passes dedans, ça refresh. Et donc du coup, vous pouvez voir quand Khan joue Jace, eh bien, il positionne bien sûr sa gate, pas forcément dans le sens perpendiculairement à la lane, mais dans le sens de la longueur, de manière parallèle, pour pouvoir justement avoir le trade offensif et surtout le backup en changeant de stance, en ayant le stéroïde de MS, etc. Ouais. Enfin, il ressemble un peu à Ryze dans la manière de se déplacer. C'est à ça qu'on reconnaît les bons Jace. Et du coup, le Jace de Crazy. Attention à ce Azir hein, quand même. Bah, bien sûr, Azir est dangereux, mais pour l'instant, c'est le seul champion vraiment dangereux sur la carte.
Ouais, je trouve qu'il avance très vite sur son stuff, malgré tout. 236, il est au point, Tempt, honnêtement. Il sort vraiment une game tout à fait décente pour l'instant. Une faker game. Il a tenu Bay Didi. Il sort un peu une petite faker game, seul contre tous. Ouais. Pour l'instant, pas de quoi vraiment allonger. Tempt, qui sera hors de portée. Khan, il est vite tombé dedans. Il en prendra finalement. Et le Gragas qui est là, ce bon vieux combo H Gragas, ce bon vieux combo Khan, Body Slash, Agnar, est déjà condamné. Les Kingzone veulent plus. Les Kingzone ont encore faim. Bididi, Outchase face à Ghost, il n'a pas la mobilité nécessaire, il semblerait, Bididi, mais du côté des Kingzone, ça sent bon le Baron Nashor, Twix. Avec un héros de la faille, ils vont les défoncer. Ils vont les démonter. Et il devrait y avoir un buff supplémentaire sur héros de la faille. Ils vont boire ce bucket. C'est genre le héros de la faille sous main du baron, genre qui se archi vénère. Avec les mains roses en permanence. J'ai envie de vous les démonter. Ça peut se terminer en 3 minutes. Hein. Oui. Ça va se terminer en 3 minutes. Est-ce qu'on a déjà eu un cas de... Bon, en vraie compétition, hein. Est-ce qu'on a déjà eu un cas de héros de la faille qui danse? Et oui, c'était pas Fnatic qui avait pris ça contre Kingzone au MSI? J'ai dû effacer ça très solidement. Attends, de ma mémoire. C'était quand? Non, c'était Worlds. Worlds. C'était Worlds. Tiens, on a vu ici, il a tout évité, Tempt, mais au bout d'un moment, je veux dire... Non, c'était Worlds. Ah ouais? J'ai pas le souvenir. Oui, Kingzone Fnatic, c'est ça. Ouais, c'est ça, hein. C'est ça, Kingzone Fnatic. Ouais, bah c'est jamais arrivé, ok. Je crois que c'est Khan jouer Nasus. Ça te dit rien? Ça me dit un truc, ce Nasus. Ouais, oui, ouais, c'est. Je crois que c'était quoi le match-up dans lequel il prenait Nasus? C'était pas Mundo, genre? Tu n'avais pas de Mundo, il n'y avait pas de Mundo, mais un tank défensif. Ah, j'ai plus le match-up. Genre un Horn? Ouais, peut-être quelque chose comme ça. Ouais, ouais. Oh là là. Ah, Maokai. 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 Oui, bon, bah Nasus contre Maokai, c'est non. YOLO. YOLO. Bon, complètement YOLO. Mais genre, dépêchez-vous de faire quelque chose sur la map. Allez, le héros de la faille qui est lancé sur le bot. Ah, il prend beaucoup de dégâts, le héros de la faille. Ouais, mais il progresse, les Kingzone. Dans la situation des Kingzone, on peut pas raisonnablement le protéger. Ils ont quand même une méga wave. Ah. Ils ont la T2 mid open. Les Kingzone. Ce sera pas pour aujourd'hui ce push. Mais ça aurait pu être à nouveau Kingzone. Ouais. Bon, on va attendre tout simplement de voir à quelle sauce les BBQ vont être mangés. Quelle sauce avec ton bucket? Quelle sauce pour le bucket? Pas tellement de solutions ici, on se fait assiéger sur 3 lanes en simultané. Et on décide peut-être. Qu'est-ce qu'ils vont faire les Bibiques? Ouais, et on a l'air d'envisager Khan, mais. C'est sans doute très difficile de l'envisager, je pense. Il va pas le retuer quand même. Si, il va mais le souiller. Arrêtez. Il va le souiller. Mais arrêtez. Oh là là, crazy. Mais crazy. Mais c'est pas possible. Oh, il se fait ardemment wrecked. C'est incroyable quand même de se faire démonter comme ça. C'est terrible. C'est fou, je dirais même. C'est fou. Il est fou ce bucket. Mais il est fou. Allez, ils vont vraiment finir là. Hein. Fin de tournage pour les Kingzone. On va terminer cette première game et se mettre dans les meilleures conditions pour la seconde. Et une petite pensée pour Tempt, qui aura assisté impuissant à la débandade totale. Un peu Robinson, seul sur son île, Tempt sur ce match. Les gars, j'ai 236 à la 20ème. Ouais, non, moi je me fais solo par Gragas, c'est la merde, là, je peux pas. Et Pinot qui aura sauté de lane en lane, offrant kill après kill. Bon là, le MVP, je pense qu'on est tous d'accord pour le donner à Khan. Oui, alors là, c'est... Même si regarde, c'est... il le prend photo. J'ai jamais vu un Gragas gagner comme ça contre un Jace. J'aime bien le... Et Khan serein, ouais, moi ça m'arrive tous les jours. Ça m'arrive tout le temps, ouais. Sympa la petite coque de l'arbitre au passage. Bien rose, bien flashy. Bien shiny. Elle est shiny. Allez, bon, les Kingzone, tranquillou.
Là, il l'envoie sur les RS, hein, le mec qui a pris la photo. Les gars, genre, j'étais là. Je l'ai vu. Moi, je veux voir la tête de Crazy. Voilà, 1, 2, 3, 4. Il est après Trick. Bah, il est plus là. Le siège est vide. Ah, si. Si. Voici, mesdames et messieurs, la PLS. La tête de. La PLS. Et si vous avez donc l'ennui de le play, non, c'était une belle paire fin de la part des Kingzone. On pouvait s'attendre à une game aussi one-sided, mais là, j'avoue qu'il y a eu des faits de jeu. Franchement, c'est venu de l'endroit où je m'attendais pas à ce que ça se passe comme ça, non, quand même. Non, ouais, vraiment. Après, c'est Peanut qui lance vraiment au meilleur moment. Et pour le coup, c'est vrai que Khan, il a pas droppé la balle. Mais oui, il faut revoir un petit peu ce Jace et revoir aussi l'idée de drafter ça contre Khan. Oui. Tu vois, tu draftes ça contre Jiner, MVP, si tu veux, mais contre Khan, c'est chaud. Ouais, contre Khan, ça a l'air d'être chaud. En tout cas, belle victoire du côté des Kings and Dragons. Ça fait 1-0 contre les BBQ Olivers. On se retrouve après la puze. La puze. La fameuse puze entre pub et pause. Ou la pub. La pub. Entre pause et pub. Toujours, voilà. Donc, choisissez votre camp. Vous êtes plutôt puce, vous êtes plutôt pub. Ouh. Nous, en tout cas, c'est la pause sur Eurogaming. On se retrouve après pour le deuxième match dans ce BO3. À tout à l'heure. Vraiment, au ralenti, toutes les fois où Khan a démonté Crazy. Ouais, il l'a démonté. Ici, après, mon Trick a dû fuir. Prochain démontage. Ah non, c'était la botlane cette fois. Avec ce coup de langue, il était pas mal. Ah, bien sûr, overextend contre Tam Kench, c'est toujours toujours compliqué, hein, de s'en dépatouiller. Ça stick beaucoup, surtout avec Ash. Ah, c'est infâme. Deuxième round. Slow. Avec participation de MC Peanut. Non, mais c'est, franchement, ces ultis à Khan, ils sont insane. Troisième round. Ce flash tactical sweep, il était très sexy. C'était assez propre de la part de Peanut. Et après, je crois qu'il y a. Oui, il y a une PLS ici aussi. Voilà. Genre, je fais le gros, pas merde. Il est encore là. Et ensuite, à la porte de la base, hein, si je me souviens bien. Ah non, il y a un dernier. Ah oui, non, mais ça pour Tempt, c'est ouf. Tellement il dur. Se retrouve littéralement en 1v1000. Et pourtant, Egnar, il essaie avec son, ouais, avec son Unbreakable. Mais il était déjà trop tard. Encore une fois, Khan qui se positionne. Bini, il est déjà en mode. Ouais. Je file vers l'autre en haut. Khan, limite, il aurait dû continuer au travers de son wall. J'aurais peut-être eu. Oui, oui. Ce qu'il a tenté. Et la dernière. Whoop. Reviens ici. Il est grave chaud sur ses ultis, c'est vrai. Ouais, c'est insane. En... Hein. Même là, c'est en bout maximum. C'est au bout de... du bout à chaque fois. Non, j'avoue, il a grave bien joué, Khan. J'ai rarement vu un Gragas aussi péchu lorsqu'il y a un Brome dans la game. Ouais, il a grave bien joué. Impressionnant. Oh, top damage du match. Impressionnant. Bon, après, match particulier, c'est sûr. Ouais, mais quand même. Quand même, hein. Quand même. Ah ouais, ouais. Impressionnant. Très impressionnant. Un MVP dont personne ne doute, bien sûr. Et ça le propulse. Bah, ça le propulse. Bon, il était déjà premier, mais ça lui donne 100 points d'avance, puisque le deuxième, ouais, c'est Lava. Au niveau des points de MVP saison régulière. Suivi par Viper, Kuro et Songwan. Pas un seul Katie Rolster dans ce top. Étonnant. Ouais, 1100 points. Après ce 3-1-4. D'ailleurs, c'est lui qui a concédé par contre la seule mort des Kingzone dans cette game. Oui. Non, mais c'est sûr. Mais bon. Bah, c'était un petit peu la pire. On peut lui pardonner. Hein. C'est autour de lui que tout le match évoluait. Mais voilà, 1100 points. Pas quelle est la récompense de fin de saison régulière pour le MVP. C'est des golds. Des golds. Ouais, tu prends. Pourquoi un peu, il veut que ça sorcière de la nuit. Qu'est-ce que tu racontes. Non, mais je crois que c'est ça. Je crois que tu gagnes du. Je crois que tu gagnes des golds IRL. Ah bah oui, bien sûr. Même, voilà. Ah oui, bien sûr. Mais, bien sûr, je te parle de golds IRL. Regarde, c'est ça. Season MVP. Mais Season MVP, c'est le saison régulière, d'accord, ouais. Parce qu'il y a le MVP player. C'était BDD au sprint, tu gagnes 5 millions de won.
Et c'est donc un won, c'est. Alors, si vous voulez faire le calcul, c'est 0,000757 euros. C'est chiant de calculer par un won versus un euro ou un dollar. Par contre, si tu fais 1000. C'est 0,07. Les mathématiques. Le chat. Le chat. Vous avez Google, vous avez du temps. Si vous regardez la LCK, vous avez du temps en ce dimanche. De toute façon, vous êtes tous en PLS chez vous, il fait trop chaud. C'est vrai. Donc, on veut savoir combien ça fait. C'est une belle récompense ou pas? Après, t'as des KDA leaders aussi. 1 euro hein. Non, mais je pense qu'ils ont fait la conversion avec les 5 millions de won. Ah ouais, bah, c'est pas difficile, hein. Quel orgueil. Tandis qu'on rentre dans la draft. Version 1 euro. Et je vais mettre 5 millions. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 4000 balles, hein, quand même, c'est pas dégueu. 4000 balles. Écoute, c'est très sympa. C'est pas non plus abusé. Oh. Ah, après, t'as aussi un titre de MVP. Des playoffs. Et t'as aussi un KDA leaderboard, apparemment. Tu prends 2 millions de won quand tu es top. Attends, KDA. Mais non, mais je me demande, je crois qu'au playoff, ça s'additionne au truc de la saison régulière. Ah ouais? Il me semble que ça marche. Donc comme il faut, ça. Ah oui, parce que les points en playoff valent 200, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors ça dépend. Non, en finale, ils valent 300 par match. 300. Donc pour être sûr que par exemple le MVP sera bien un joueur de la finale. Ok. Bon. Enfin jusque là ça a toujours été un joueur de la finale. Pas logique. Oui. Attention, on voit Ignar qui voilà c'est défait de sa montre. Oui. Prévision de ce match et le ban de Jayce bien sûr qui est absolument hilarant. Mais accompagné de Camille, de Trundle, on aura banni Ezreal chez les Kingzone. Ainsi que les classiques Talia, Atrox. Ouais. D'ailleurs, ça m'étonne. Pourquoi il banne ? Ça m'étonne que Kingzone laisse pas passer un Atrox et lui enfonce pas une Fiora. Une Fiora dedans, ouais, bien sûr. Ouais. Je suis d'accord. Un Khan sur Fiora. J'ai vu quelques trucs passer en vidéo. Ah, c'est un match-up vraiment goldé pour Fiora. Ça peut être difficile en early, mais après, partir d'un item, c'est. Tu peux pas louper ta riposte, quoi. C'est ça. Allez, c'est Juani contre Tahm Kench. Jamais très très fan de ce choix. Mais soit, ça forcera Ryze à jouer avec une purge. Oh, et Alistar pour Aignar. Yeah. Donc là, Trick et Aignar, ils vont vraiment être sur des champions de confort engage. Pour engage. Maintenant, est-ce que ça va suivre derrière du côté des BBQ? Pour l'instant, avec Avarus, non. Mais il va falloir des solo laners, il en manque deux, ça tombe bien. Hashtag KingsonWin. Et BDD qui semble vouloir valider la hache pour Prey et ses choses faites. Maintenant passons. Après ce ban de Kennen, passons au ban maintenant de BBQ. Ban de Kennen, ça suggère un petit pic de Gnar en sortie de draft pour Kingzone. Puisque ce Kennen sera accompagné d'un ban. Oh non, pas ban Jayce. Ouais, mais ce sera ban de Gnar. Ouais. Est-ce qu'il irait pas pic Jayce du coup, Khan? La Crazy prend Gragas et il et se il fait, l'aurait. Mais. dommage que Jayce soit ban. Ouais. Vraiment dommage, mais je pense plutôt à un Shogat pour Khan. Je le vois bien sur un Shogat là, vu les bans qui s'enchaînent. Shogat, histoire de follow-up sur les engages de Prey. Ah, ils le bannent eux. Du coup, s'ils bannent Shogat. C'est quoi qu'on veut si on banne Shogat? Je sais pas trop, du Horn peut-être. Ils peuvent repartir sur Gragas, hein. Oui, Gragas Horn. En tout cas, s'il y a un Horn, il serait assez cool pour BBQ. Oh, Bandarius. Ah, ça veut Moundé. Ça veut Moundé, peut-être. Il ne reste plus vraiment de quoi. Après, ils ont qu'à prendre la jungle maintenant, les Kingzone. Hein. À moins qu'ils aient vraiment un blind pick préférentiel. De toute façon, c'est une Sejuani, hein, donc. Peu importe ce que tu peux prendre le Gragas en vrai et juste être là, bah on va le flex ou pire. Ah, le Zac qui sort vraiment exclusivement contre des Sejuani. Ouais. Et exclusivement lorsqu'il y a des joueurs de Zac qui sont des monstres. Et Peanut en fait partie. Peanut est assez bon sur Zac. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir ici? Est-ce que Tem voulait pas retenter le Azir? Parce qu'il était vachement bon, je trouve. Mais là, du coup, les Kingzone ils ont mass engage. Alors oui, on repart sur ce Azir. Ils ont mass engage des Kingzone, donc Khan il va. A mon avis, il va pouvoir prendre un peu ce qu'il veut. Il a Camille est pas là, Jayce est pas là.
Donc les gros champions de Counter potentiels sont un peu sortis de l'équation quand même. Enfin, il reste un truc comme Fiora. Je trouve que le follow-up des PPQ est hyper nul. On va avoir une engage violente, mais c'est Varus et Azir qui vont devoir exploser dans le teamfight. Et ça met du temps, en fait. C'est pas vraiment des carry qui explosent et font instantanément leurs dégâts, mais qui ont besoin d'un petit peu de build-up. Le GP pour Khan. C'est le seul pick du cahier de draft, ouais, qui reste contre Mundo. On va pouvoir faire un sacré paquet sur son dos. Ah, il va farm Khan. Et avec Zac GP, on peut avoir effectivement engage frontal des BBQ très très violente. Avec voilà les étincelles à gauche à droite. Le Varus il peut pleurer dans ce match. Mais le Varus et le Azir qui vont être zonés par l'ulti de GP et par justement le slingshot du Zac. Et donc du coup on va se retrouver avec des frontliners qui vont être oui en frontline, mais le backup qui va avoir beaucoup de mal à suivre. Et tout ça avec les déplacements potentiels de BDD sur Ryze, avec un Tahmkench, les Kingzone qui se sont vraiment approprié la carte avec 3 champions, 4 champions même si on compte l'ulti de H qui ont un impact global. Mmh. À partir de là, enfin, vu comment BBQ est déjà largué dans tout ce qui est decision making, enfin, juste ils sont pas au niveau des Kingzone, hein, ça pourrait être très violent, Twix. Ça pourrait être très violent et d'ailleurs il faut se rendre compte que les Kingzone ont un match-up un peu plus sympa sur la midlane parce que ce Aurélion Sol se faisait pas mal contrôler par Azir. Et si c'est un Ryze, et on a vu beaucoup de cas de figure où Ryze prend le dessus sur Azir quand il trouve une petite opportunité en frontal avec un bon échange. Parce que quand le Q-spell part, si t'arrives à approcher le corps à corps, ouais, idéalement te mettre ça à peut côté, être mortel. Et ça va jusqu'au bout. Donc on peut s'attendre à ce que BDD soit un peu plus impactant dans cette game. Par contre pour Peanut, c'est l'effet inverse. Oui. Lui devrait être un peu plus herbivore, mais attention tout de même. Faut jamais sous-estimer les capacités de gang de Zac, surtout mid. Ouais. Surtout mid. C'est clairement la mid lane. Petite cage de Ryze, le setup est parfait. Je sais pas si t'as suffisamment peur pour avoir choisi une purge. Ouais. Mais à mon avis, c'est vraiment le bon choix à faire pour sa laning phase. Sans cette purge, ça va être le flash cage into Zac. Terminé. Et terminé. Terminé. Le poulet contre le dragon, Twix. Dragon 1-0. Et Tempt avec une purge. Oui, elle est là. Elle est là. Il y a un truc dans ton imitation du pigeon. Tout est une question de flow. Plus difficile à imiter comme ça. La cloche du Alistar. Cleanse également du côté de BDD. Tout à fait. Et Khan avec... La klepto, ouais. Allez. La klepto. Il lui a un petit peu redessiné le boule en game 1 et il est bien parti pour faire la même chose en game 2. Hein. Ouais. C'est vraiment... C'est un des pires match-up vraiment à vivre en tant que joueur que de jouer un Mundo sans argument contre un GP. C'est... Ah, c'est terrible, terrible, terrible. Juste des pourparlers et tu prends l'avantage comme ça. Ouais. Tu peux rien faire, tu vois son stuff. Même si t'as le même niveau de farm que lui, tu vois son stuff qui monte beaucoup plus haut que toi, plus rapidement. Et voilà. Et c'est parti pour se prendre peut-être 1500 parlers dans cette game. Et allez hop. 110 gold. L'avantage est déjà pris. C'est genre. Il fait ça 3 fois, c'est first blood. Enfin, c'est. Ouais, GP contre Mundo, c'est vraiment un match-up délicat. Que décide de faire Trick? Il est face à un Zac, donc pas vraiment un des champions les plus menaçants de la jungle en early. Et pour l'instant, il va pas jouer les Carapateurs, on notera. Il laisse le Carapateur bot side. Oula, Khan, belle phase d'agression de Crazy, qui malgré le fait qu'il prenne l'aggro des creeps là, bon, il a quand même du répondant. En early game, si jamais il arrive à mettre quelques Q-spells, quelques machettes, Khan devra reculer. Normalement c'est quasiment impossible, hein. C'est très facile de se réfugier derrière les minions. De toute manière tu mets tellement de parler sur le Mundo que le Mundo va push. Oh, c'est une super trajectoire ça. Ah, ça surprend beaucoup
Peanut. Et bon, il a toujours un passif qui va devoir être consommé peut-être d'ailleurs. Peanut qui va survivre. Non, non. Ne fais non. Surtout pas ça, Trick. Non, 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 non. Pas comme ça. Zinedine. Qu'est-ce que... C'est un peu bizarre ce qu'il fait, Trick. Pas qu'un peu. Hein. Je me demande ce qu'il espère vraiment en faisant ça. Parce que franchement... Il n'y a vraiment aucune chance qu'il puisse prendre un truc positif là. Ah, il le sait, il le sait, il le sait. Il veut prendre son passif, mais il perd tellement son temps, Trick. Bah ouais. Enfin, disons qu'il a un bleu à aller prendre dans sa jungle. Il n'y a rien à counter sur ce topside. Et c'est tout l'intérêt du start qu'a fait Peanut. Et que oui. S'il y a le jungler adverse qui vient, oui, il va être forcé de back. Mais... Tu es là, mais ton Mundo est pas encore assez tanky pour me dive. Et t'as pas de quoi un counter. Donc, ouais. Et il s'en sort très très bien, Peanut. Bon, il a perdu quelques CS sur les petits golems, mais c'est pas grand chose. Pas très grave. Sur les premiers échanges. Dommage. Dommage que cette boule-là passe pas. Au niveau de la bot lane, l'avantage est de nouveau pour Prey et Gorilla. Il semblerait un 28 CS à 23 pour l'instant. Ghost en difficulté. Alistar qui peut difficilement comboter face à Tahm Kench. Hein. Je comprends le choix de confort d'Aignar pour toute la game en général, mais pour la lane, il n'a pas un champion qui normalement... Ouais. Enfin, peut-être au niveau 6 du Varus, où là, effectivement, avec la chaîne de corruption, les choses sont un peu différentes. Bah, disons que tu dois vraiment saisir le moment où les deux cibles sont paquées. C'est ça. Et avec seulement un Alistar qui marche, c'est pas facile. C'est pas facile. Et on peut voir hein, ici, bien sûr, Kingzone... Enfin, Prey et Gorilla qui vont jouer plus séparés que jamais. Et voilà, il y a une toute petite fenêtre ici par exemple. Mais bon, tu vas pas flash pour ça. Ils sont full life quand même. C'est compliqué. Et encore une fois, les BBQ qui font le choix des 194 de combat. Donc peut-être, tu vois, tu soulèves la là, question. Ignite pas heal, flash comme ça. T'as Ignite Heal, t'as un après-coup contre un spellbook. Peut-être que c'est justement le moment de ne pas trop réfléchir. Bah, peut-être. Peut-être. Je le souhaite au BBQ Oliver, bien sûr. Peanut de son côté qui tranquillement enchaîne sa jungle, ouais. Et qui passe niveau 5. Objectif cendre de Bami, ce sera certainement au niveau des Krugs. Back de la part de Khan. Et c'est là que le cauchemar commence. Intérêt à avoir assez pour des ninjas, t'as Be Crazy. Hein. Ouais, avec cette brillance. Il veut push. Pourquoi pas. Mais... les pourparlers vont faire mal. Alors on n'a pas ce focus instantané sur la marque du bourreau pour Khan. Mais pour le coup, puisqu'il a acheté Brillance, il n'avait pas assez de budget pour terminer cet objet-là. Donc il a privilégié l'avancement sur la Trinité. Ce qui est tout à fait légitime. Et puis Mundo n'est pas non plus l'angoisse première de régénération au niveau 6. Non. C'est une fois, il faut quand même un minimum de CDR parce que l'ulti de Mundo a quand même un cooldown assez conséquent. Mundo file. Bon. Ouais, je me demande combien il a de gold là déjà. Ouais. Et il a loupé quelques CS pour mettre la priorité sur CS pour parler sur Mundo. Donc la kleptomancie c'est quasiment à la prime hein, qu'elle est utilisée. Un coup de tête pas forcément dans le bon sens. Et bon, on n'avait aucun potentiel de kill au niveau de Ignar. Et Trick de retour cette top lane pour Khan. Une bonne wave qui s'accumule. Khan qui a un baril, qui va pouvoir l'utiliser pour wave clear. Se rend-il compte un petit peu du danger? Il n'a pas de stopwatch, hein, c'est ça le défaut attention, de Khan. Attention Khan, parce que ce dive, on pouvait le prévoir. Oh le flash out de Khan qui met Trick dans le vent. Trick maintenant en difficulté, qui doit flash out de son côté. L'arrivée de Gorilla. Pour un slow sur thème, Bididi qui utilise son il est un peu juste peut-être Bididi là-dessus, mais ça devrait peut-être suffire. Trick est en difficulté. Mais Bididi avait pris de l'avance, il a sauté par-dessus le mur. Et 1-0 pour Kings on Dragon X. Ah, les monstres absolus. Et Khan qui s'en sort à merveille sur Tower Dive, mais quel soutien du collègue. C'est peut-être pas terminé. Le héros. Aignar le héros, Bididi qui n'a plus rien, la cleanse de la part de Bididi qui prend son passif. Et derrière c'est Peanut qui récupère Rathem, tandis que la
flèche de cristal de Prey traverse l'espace. Le level des Kitsons. Tempt, mais Tempt aussi, c'est quoi cette plante? Ça rappelle un peu ce décalage dans le bio précédent, Cannes, mais revoyons le live. Regardez le petit pont de Cannes. Hop, hop. Et là, Trick, il a son fléau dans l'autre sens, il a aucun moyen de revenir vers le gangplank. C'est vrai que c'est assez mal exécuté. Qu'est-ce qui se passe, Ouais, il se passe un truc là, c'est... Ils ont tué le Peanut Mundo. En stopwatch, Peanut en passif. Peanut est mort. Parce qu'il n'y a pas de TP. Il n'y a pas de TP. Allez, adios. Ouais, assez mal prévu quand même ce tower dive. D'ailleurs, décision douteuse que de laisser Mundo prendre l'aggro alors qu'il avait si peu de points de vie. Mais enfin. Parce que c'est clair que c'est pas Sejuani qui va finir le GP sous sa tour. Un travail pour la Mound. Elle est un peu léger, elle est quand même très dépendante de son fléau. Si elle l'oriente dans le mauvais sens, qu'il y a un flash, elle est un peu dans les choux. Alors que s'est-il passé ici? C'est simplement élancé dans un dive. Le stun, les Kingzone qui trouvent le kill. Metric était tranquillement installé sur son groupe, va quand même intervenir pour récupérer Stopwatch et le passif du Zac de Peanut. C'est pas si mal, mais maintenant on est passé niveau 6 pour les junglers, mais il y a déjà un ascendant en faveur des Kingzone. Ouais, comme je disais, Khan qui n'a pas de stopwatch malgré son arbre inspiration et qui du coup est plutôt vulnérable. Alors le premier dive était près 8 minutes, donc stopwatch ou non, elle n'aurait pas été disponible. Oui. Mais par contre, il reste toujours un candidat et sans flash. D'habitude, la double garantie qu'on veut chez les gangplanks, qu'on veut avoir le flash et on veut avoir évidemment la stopwatch pour le dive après 8 minutes. Il a pas de quoi se défendre contre celui-ci. Est-ce que il a fait un abatteur. Ouais, il a fait un abatteur. Il vient de sortir un abatteur là. Est-ce que les BBQ n'auraient pas intérêt à appuyer un petit peu sur ce gangplank maintenant qu'il est clairement vulnérable? Oui, attention, bien, l'ulti. Trick d'abord ira du côté de la botlane. Gorilla qui stopwatch. Gorilla. Une atomisation. Gorilla qui retient. Gorilla. Décidément, les PV gris qui sont un véritable fléau quand on essaie de le tuer. Peanut qui n'a plus de passif, on vous le rappelle, et qui va tomber. Double kill en faveur des BBQ Oliver. 3 kills partout. Eh bien, ça joue finalement. Trick qui va du côté de cette bot lane et qui pèse énormément dans tout cet échange. BDD, il a un peu de retard au niveau du farm quand même, le midlaner Kingzone. C'est bien vrai, c'est bien vrai. Enfin, il a été assez mobile, tout comme Tempt. On s'attendait pas à ce que cette Sejuani soit présente botlane, définitivement. Et il essaie Gorilla, mais là c'est bien joué hein, dans l'ensemble, vraiment côté BBQ. On peut voir un peu de finesse dans le play défensif des Kingzone. On a voulu mettre la flèche de cristal au moment où la stopwatch se termine sur le Alistar pour pas qu'il y ait le coup de tête. Mais il a ult. C'était pas si mal que ça. Parce que ça donne suffisamment d'avantage au BBQ. Eh bien, ça reste 3 kills, ça reste une égalisation. Mais on a un gros problème chez BBQ, c'est que les kills ils sont sur Sejuani. Oui. Ouais, 3-1 pour Trick. À peu près similaire chez Kingzone. Mais on en a au moins un qu'on a pu lâcher à BDD qui compensera son retard de farm. Et au top, le GP il est free farm. Il est sur la lune. Donc, vous pouvez voir, de toute façon, il y a 600 gold d'avance. Oh, Trinité. Terminé pour Cannes. Oh là là, le Boeing. Passera jusqu'au bout. Mais BDD qui lit. Oh la super virgule. Oh, il survit directement. Les Kingzone vont rattraper le fuyard. Tempt ralenti. Tempt qui utilise sa cleanse. Et la flèche de cristal qui touche. Mais Tempt est hors de portée. Des Kingzone qui, du coup, vont se venger sauvagement sur Aignar. Le bro. Brognar. Et Tempt qui a tellement survécu à rien, c'est peut-être le moment pour lancer un dragon chez les Kingzone. Mais tandis que. Mais Khan, il a déjà sa trinité. Il a déjà sa trinité. Et il a encore son abatteur c'est qui ça. Tourne. Je sais que son deuxième objet, c'est pas, je sais pas lequel ça va être. Mais il va arriver vite, c'est certain. Il va faire Sterak. Marc Dubourreau, j'aimerais bien quand même là maintenant. Il est temps. C'est pas un vrai deuxième objet, Marc Dubourreau. C'est un cosmétique. Ça coûte pas assez cher. C'est ça. Il a mis du temps à venir mid Peanut, mais ouais. Bien visé, hein. Zac, ça fonctionne vraiment très bien sur la mid lane.
Tempt pas très réactif sur son dash out sur le premier slingshot, mais toujours délicat, hein, c'est dans le brouillard de guerre et c'est seulement une ombre à laquelle on doit prêter attention. Très bon read du côté de Prey pour la flèche, mais malheureusement il n'a son ulti que niveau 1. Le dégât était un peu insuffisant. Mais le réel problème il est là. Ça paraît anodin comme ça parce qu'il n'y a pas de tourelle qui tombe ni de barre de points de vie à proprement parler. Mais ça se creuse terriblement vite. Et on n'a pas envie d'y retourner chez les BBQ, pas du tout. On va laisser ce match-up se jouer. Trey qui fait des petits checks à la volée. Trick qui arrive vraiment au meilleur moment. Mais Gorilla qui a une cleanse, donc tant qu'il se tient devant, il n'y a pas trop de danger avec la chaîne de corruption et l'ulti c'est Juani. Oh oh. Oh, Khan qui se fait bosser, Khan qui se fait bosser, oh, oh. Crazy qui trouve une bonne série de machettes, Khan en difficulté qui flash out et qui s'en sortira. Attention, hein, parce que c'est toujours pareil, quand le Mundo atteint le contact et qu'il enchaîne les cleavers qui touchent, il est intestable. Bon, forcément, dans ce genre de cas, c'est difficile. Ouais, on s'est fait peur, il s'est fait très très peur, Khan, dans cette phase de jeu. Ce sera des ninja tabi, une pink et on revient directement à la maison. Et on call le Miss Mundo. On pourra laisser la réduction de soins finalement à Bididi et son Morello. Après, ça peut aussi pas être naze parce que t'as Bididi qui va pouvoir peut-être prendre la position de speed pusher de Khan. Et étant donné que Crazy il a lane tout un early contre Gangplank, niveau Magic Resist il devrait pas être très fourni. S'il se retrouve avec un Ryze en face, ça pourrait lui faire tout drôle. Ouais. Ça peut être un angle d'approche, ça peut être l'angle d'approche qu'on veut, hein, chez les Kings. Après j'ai l'impression qu'il part quand même sur un visage spi, Crazy. Difficile à dire. Il veut de la CDR en tout cas, c'est sûr. Et il en fera quelque chose quoi qu'il arrive de cette King Dungeon. Bon, les Kingzone qui ont le contrôle du match, mais ils n'arrivent pas autant à dominer que sur la partie précédente tout de même. La faute au pic aussi, un Gangplank ayant quand même besoin de scale un minimum. Et au pic jungle. Et bon, dans la jungle, c'est sûr qu'on est sur un champion très teamfight pour Peanut, mais qui du coup met un peu de temps à devenir efficace. Ils les empêchent pas de jouer assez agressivement, hein, les Kingzone. Donc, par exemple, la manière qu'ils ont d'encercler cette tourelle et de quasiment l'offrir. On sait pertinemment qu'il va y avoir une réponse du côté opposé. Il y a déjà plus de minions, mais est-ce qu'on a besoin de minions quand on a un Mundo? La réponse est non. C'est bien joué, hein, sur ce dive. Bon, Khan n'avait pas grand chose à faire, mais la flèche un peu tardive malheureusement. Mais Khan qui va devoir faire attention à ce genre de phase maintenant, parce que oui, il est free dive maintenant pour la Sejuani et pour le Mundo. Ouais, le manque de stopwatch dans son build. Non, ça aurait peut-être permis de temporiser cette phase de jeu là. Son équipe a quand même une ouverture bot. Hein. Ouais, ouais, il y a T2 pour Herald. Est-ce qu'on aura le temps de prendre la T1 aussi? La T3, ah, ça me semble difficile quand même. Non, mais la T1 top. Ah, la T1 top. Ah non, il a plus de wave. Hein. Il a plus de wave et du coup, Gangplank TP. Oh, l'héros de la face, c'est bien vu. Bididi, c'est très bien vu. Qui va chercher Trick, le flash in de Bididi. Et le kill est là pour le mid laner. Il récupère des Kingzone. Ils ont le héros de la faille, les Kingzone, alors qu'ils jouaient bot juste avant. Et Crazy dive. Crazy qui pourrait bien se faire dive ici. Bididi est là. Bididi assure. Bididi, oh dommage, c'est skill shot. Mais ça passe quand même pour les Kingzone. C'est si bien joué. Si bien ce joué basculement par les du bot au top. Waouh. Vive le time catch aussi pour ce genre de cas. Absolument. Ils étaient T2 bot, ils ont repris le contrôle mid, héros de la faille et top en quelques secondes. Regardez, hein, regardez, là ils sont bot. Là ils sont bot. Bididi se dit bon ok, c'est mon moment, tous mes gars arrivent, mais je dois gagner un peu de temps, let's go. Et let's go. Quelle phase de jeu. Il hésite pas, il flash in, il sait qu'il peut le faire. Khan de son côté qui prend sa revanche sur Crazy. Ah, il a la réduction de son. Et pendant ce temps-là, ben, les Kingzone qui étaient revenus de la bot lane, qui ont eu cette ulti de Tahm Kench. Quelle phase de jeu. Ah, c'est rudement bien joué. Et là, par contre, c'est le trou qui a été fait avec les BBQ. Ah ouais, là, c'est vraiment une équipe qui a eu vraiment une meilleure idée de ce qu'elle fait. Et qui, pour le coup, a l'exécution de son côté. Bididi avec le Ryze, hein. Très impressionnant. Honnêtement, vu le talent du joueur,
C'est un champion qui permet d'être mobile, de faire mass juke. Ça convient bien au style de jeu de Billy Dee. Tu fais beaucoup de dégâts. Ah, il est très faker dans son style. C'est ça. C'est ça. Bah, t'es mobile, t'as de bonnes inspirations. Enfin, Billy Dee, c'est un mec qui a des inspirations vraiment géniales. Donc, sur un champion comme Ryze, qui te permet de tout faire à peu près. Mmh. Bah, je dirais que c'est parfait. C'est un petit peu le Yasuo des casters. Mais Ryze, c'est parfait pour jouer en solo. Hein. Ouais. Ah, si tu veux être. C'est parfait aussi pour apporter à ton équipe. Mais tu peux faire tellement de plays en solo avec ce champion. Et 4-0 hein, pour Vididi. Et il n'est probablement pas plus riche que son top laner. Bah non, mais qui l'est dans ce match? Personne, normalement. L'abatteur qui est bientôt fini en plus. Ouais. Pour Khan. 10 petits CS. Et voilà la position de speed qui est prise par Bididi. Et concernant Khan, ça m'a l'air d'être un timing où il se regroupe avec ses coéquipiers. Est-ce que c'est juste pour le dragon des nuages qui est ici présent? Oui. Avant le baron Nashor dans un peu plus d'une minute. Toujours l'héros de la faille au passage d'ailleurs qui va être invoqué incessamment sous peu par Prey. C'est vrai qu'il est toujours là. Sur cette mid lane. Jungle stat. Ouais, bah, deux bons ganks sur 4, 2 sur 3. Je pense pas. 253, Shriek fait pas une mauvaise game, loin de là. Hein. Ce qui est dommage, c'est qu'ils prennent pas mal de kills dans tous ces échanges. Il y a son premier dive qui était un peu bizarre. C'est surtout la phase de jeu, parce que Shriek fait de bonnes actions, mais elles sont très locales, ouais. Finalement. Alors que l'impact de Bididi a été global, enfin, même de la bot lane. C'est ça. Ils ont pris vraiment l'ascendant sur toute la map. Et là, ils ont une grosse avance, les Kingzone. On sent venir le 2-0, Twix. Ouais. Ils sont pas mauvais, les BBQ. Ils sont juste pas assez bons pour Kingzone. Bah, disons que quand Kingzone est comme ça, le souci, c'est qu'il faut aussi être prêt individuellement à tenir les 1v1. Il faut jouer au même rythme. Rien laisser passer. Il faut jouer au même rythme. Et le rythme proposé par Kingzone, il est peut-être même en dehors des capacités de la draft des BBQ. Par exemple, on a un Azir qui est complètement dépassé là. Azir, c'est une bonne tour de contrôle, mais c'est vrai que si ça commence à vraiment jouer sur toute la carte, à éclater dans tous les sens, c'est pas le meilleur champion. Certainement. Après, il excelle dans la défense. Est-ce qu'il aura le temps de faire valoir son wave clear, ou est-ce qu'il y aura un Baron Nashor qui viendra lui couper l'herbe sous le pied un petit peu comme la partie précédente? En tous les cas, voilà, on a un plan chez les BBQ. On a un plan. Maintenant, il n'y a pas de Yankee. Et du coup, on se pose la question. Ce qui va arriver, la patience. Et le Hawk de H qui révèle la supercherie et vient de faire perdre, allez, une petite trentaine de secondes à trois membres des BBQ. Chose dont ils n'ont pas besoin au-delà de bien sûr révéler leur positionnement. Positionnement overextend, vous pouvez voir, il n'y a pas de T1 top lane. Et avec un Azir dans le sidebush, forcément, il a besoin de marcher assez loin. Les Kingzone ont l'air de t'intéresser à ce Baron Nashor. J'aime beaucoup le build de Peanut qui reprend un petit peu ce qu'on voit sur Trundle en ce moment. Mais avec un Zac, on rappelle, est immune CC pendant son ulti, un passif très intéressant. Un véritable frontliner à deux objets pour le coup. Il a vraiment peu de CDR dans ce build. C'est vrai, c'est le défaut. Parce qu'il a pas fait de. En fait, je suis limite un peu étonné qu'il ait décidé de faire des Mercury. Bon, il y a vraiment pas mal de contrôle chez BBQ, mais d'habitude, t'aimes bien partir Lucie, même Peanut. Hein. Bah, avec Botte un Zac surtout. Avec un Zac, parce que tu peux être immune CC. C'est ça. C'est pour ça que je suis un peu surpris. Parce que normalement, ta première source de CDR vient des bottes de lucidité quand tu joues Zac. Ah, tu prends bottes de lucidité, une Kindle Gem assez rapide et transcendance. Ouais, du si coup, tu peux, hein, bien si sûr. Tu peux, pour, ouais, ça dépend vraiment des conditions pour transcendance, mais normalement tu es censé être à 20% de CDR assez vite. Attention, suffisamment de portée, c'est engagé doublement avec l'ulti de GP. C'est une bonne stopwatch du côté de Shriek, très bonne stopwatch qui permet d'éviter cette ulti du côté de Peanut. L'arrivée de Khan pourrait peut-être changer la donne du côté des Kings of Dragon. Aïda qui recule, Aïda qui recule, peut-être le baril. Et regardez qui est isolé, c'est Ghost qui doit flash de l'autre côté du mur pour survivre à l'agression Kingzone. Et Bididi qui a allègrement fessé Tempt et Trick en 1v2 sur le flanc gauche. Extrêmement fort. Deux fights en un. Deux fights les BBQ en un. Qui ont fui un peu comme ils pouvaient. Ah ouais, c'était un titan. Mais personne meurt. Oh là là.
parler un peu vite ici. Par contre, le Zaki connecte et c'est un Dr Mundo qui n'aura pas l'occasion de faire valoir sa régénération de points de vie. Stone. Par contre, pour les kick zones, on a la fenêtre pour le Baron Nashor, c'est refermé au moment où on a décidé de partir sur ce Mundo. Ils la feront pas maintenant, mais alors combien de gold? 10 200 pour le GP. Sachant que, ouais. Et même pas 8000 pour Crazy. Et BDD lui met 10 CS, 5 kills. Et il est pas loin de 1000 gold derrière. C'est lourd. Donc là, imaginez simplement que Khan, bon, il a pas la kleptomancie, mais il est à 6-0. C'est un petit peu le constat qu'on fait. Ça. C'est quand même violent. Ouais, il a légèrement one shot son gage de Terak. Gorilla qui va s'avancer pour zoner Trick, ça va être difficile pour Trick, c'est même trop tard. Kingzone. FAR. Avec ce Baron Nashor qui va pouvoir. FR, y a rien à faire. FR, y a rien à faire. Qui va pouvoir bien sûr progresser sur cette carte. Et maintenant, aller faire tomber les T2 au minimum, Twix. Minimum syndical. Toujours avoir un peu d'espoir dans la capacité des frontliners BBQ à atteindre leur cible de prédilection, mais lorsqu'on a autant recours finalement aux stratégies de piège ou aux espèces d'arnaques dignes de Schalke Nulfir, c'est qu'on se sent pas bien dans la game et qu'on sait très bien que on n'a plus qu'une seule flèche dans le carquois, elle est un peu pourrie, elle est un peu tordue, il n'y a plus de plumes dessus, un peu émoussée également. Mais bien décoché dans la narine, ça peut faire de lourds dégâts. Le truc, c'est que c'est un tir qui est quasiment impossible à toucher. Ouais. Ça représente à peu près les chances des BBQ dans cette game. Ça a l'air difficile. Okan, par contre, se fait échec, peut coûter cher. Il est repris encore par le fléau. Tam Kench est loin. Il a son orange. Il a plus rien, Khan. Il a plus rien. Le Tam Kench. Le Tam Kench. Et le Tam Kench qui garde sa dévoration. Khan qui tient le coup. Tandis que Ryze sur la top lane. BDD est en train de progresser vers une T2. C'est d'ailleurs déjà sa T2. Les auto-attaques qui sont assez costauds. Tempt qui ne peut pas aller défendre cette T2. Sinon, les King Zone vont collapser sur lui. Étant donné qu'il n'y a plus de tour à l'extérieur sur la mid lane. Ils sont trop avancés, donc cette T2 doit tomber si la pression est mise aussi haut sur la mid lane. Et les Kingzone qui parviennent à récupérer 15% de points de vie sur cette T3. Et qui sont maintenant face à un dilemme, est-ce qu'on continue à push ou est-ce qu'on continue à push? Est-ce qu'on les défonce ou est-ce qu'on les... fracasse. Exactement. Allez, un petit slingshot, est-ce que c'est du bluff? C'est pas du bluff. Oh, superbe. Oh, l'ulti qui lui permet d'éviter le headbutt de ce Alistar. Tandis que le POC des Kingzone est bien présent, les barils du Gangplank zonent bien les joueurs BBQ Oliver, c'est Peanut pour une deuxième tournée. Ah non, petite tournée. Petite tournée, inhibiteur récupéré. C'est le 2020 de soirée. Et transition hélicoptère avec... avec les creeps. Voilà, le canon qui reste en vie. Encore une des nombreuses utilités de Ryze. Ouais, ça c'est la magie aussi. Fantastique champion et on attend tranquillement la prochaine wave. Avec Peanut, j'aime beaucoup ce qu'il a fait ici, il s'est positionné derrière son équipe au cas où il y aurait quelqu'un qui aurait la mauvaise idée de TP dans le bac, bon même s'il n'y a pas de TP, mais dans le principe. Oh. Alors là, c'est quand même rare de voir Prey whiffer une flèche aussi facile. Et je l'ai même pas vu partir la flèche. Non. Incroyable. Bon, en tout cas, les Kingzone là qui viennent d'assommer les BBQ Olivers. Ouais, et ils jouent quand même de manière assez calme les King Zone. On aurait largement pu presser autour de cet inhibiteur. Mais c'est pas le safe play. On rappelle que pour les King Zone, bien sûr, il y a beaucoup d'enjeux autour de ce match. Il faut le 2-0, c'est important. De préférence, c'est un 2-0, bien sûr. Tout à fait, c'est assez important ce 2-0, puisque actuellement, en termes de points... Et du coup, s'ils prennent un 2-R, ils passent au-dessus des... Non, ils passent à égalité niveau points avec les KT. Je suppose qu'un 26-15 équivaut à un 25-14. Normalement, oui. Donc on devrait être dans tous les cas à plus 11. Ouais, ils seront points. À plus 11 après ce match. Donc ce sera une égalité parfaite, sachant que KT Rollstar ne joue pas cette semaine, mais alors non, aura deux matchs. Ils auront un BO d'avance sur KT. Ils auront une victoire d'avance sur KT.
Et Katie qui a encore un BO, BO à jouer la semaine prochaine. Un seul. Deux. Non, deux. Ah, BO. Deux. Deux. Enfin, donc, un ouais, seul ça... parce que c'est un BO contre MVP après. Ouais, tu sais jamais. Tu sais jamais. Fin de saison, c'est vrai. Tu sais jamais. Mais ouais, là, c'est. Elle va être intéressante la semaine prochaine. Il n'y a pas beaucoup de matchs. Non, et c'est Katie Roster et MVP. Seulement 6 BO3. Mais quasiment tous très importants. Ça va être vachement important aussi pour MVP parce qu'ils ont deux BO à jouer. Et la dernière place de relégation se joue entre MVP et Jenner Green Wings. Ouais. Donc il y aura deux batailles. Allez, Peanut pour la conclusion maintenant avec un litho plastron claqué extrêmement tôt qui lui permet de bomber le torse face à Ghost et de choper un stop sur l'inhibiteur. Ghost, oh, Ghost qui est rattrapé. La stopwatch. Et Ghost qui est ramené en arrière. Trop compliqué. Peanut qui enchaîne vraiment ses engages. Hyper et BBQ qui peut pas tenir face à ce rythme. Absolument effréné. Kings on Dragonix qui vont venir s'imposer et infliger le 2-0 qu'on attendait tous au BBQ Universe. Kings on Fighting Dragonix. Ah là là, mémoire. Oh, de... oh la partition impériale fourbe. Elle est vicieuse celle-là. Ça reste un petit kill. Ça, ça rappelle le MSI. Une zone. C'était fighting après. Ouais. Dragonix. Et voilà, victoire donc. Et les Kingzone qui égalisent la troisième position de ce classement LCK Summer 2018 à l'aube de la toute dernière semaine. Oui. Il conclut. Cette septième semaine, Twix. Voilà, c'était le dernier match de cette septième semaine. La huitième sera très courte. 3 journées, 6 BO. Je crois que d'habitude, on est sur 5 journées de LCK par semaine. Eh oui, il y a beaucoup de matchs. Oui. C'était le 84e, je crois, match sur ce split. Beaucoup de matchs en LCK. Ah, c'est pas l'heure. Ni les NA, c'est sûr. Ah, t'as des matchs tous les jours. Donc voilà, les jeux sont faits hein, pour les BBQ. Maintenant, il va falloir envisager les relégations, sachant que sur la Ligue 2 de Corée, il y a une équipe hyper chaude qui nous fait un run quasiment similaire au Griffin. C'est qui ? Alors, c'est pas un perfect run. Non, c'est où déjà ? Je vais aller voir. Vas-y. C'est pas un perfect run qu'ils nous font, mais je crois qu'il n'y a qu'une seule défaite. C'est Tech qui m'en parlait. Damwon Gaming. Voilà, Damwon Gaming. Bah, ils ont gagné tous leurs BO, ils ont perdu une map dans tous leurs BO. Ouais, 9-0, 18-1. Il y a qui chez les petits Damwon ? Nuguri, Punch. Ah, il y a Punch. Et il y a Nuclear aussi. Et Nuclear. C'est pas 100% des rookies, mais après, je connais pas les autres joueurs autour. Non, Showmaker, apparemment, c'est un ouf. Ah ouais ? Ouais, c'est ce que Tech me dit. Encore un mid-coréen de folie. Ouais, décidément. Arrêtez. Mais on voit plein de blazes, effectivement, de joueurs un petit peu déchus. Tiens, un top laner qui s'appelle Paladin. Ah oui, Nayoun ! Mon dieu, Nayoun est en Ligue 2 coréenne ? Ouais. Et nous, on nous en parlait chez hier, les justement, Sharks, au et les niveau Sharks, du ils chat. Sont où ? Ah, ils vont jouer peut-être les playoffs. Hein. Ouais. Ouais, le chat nous en parlait hier. Nayoun qui avait arrêté son record à 0,31 avec Origen. Insane. C'est insane, ouais. Les Kongdu Monsters. Bon, ça se passe mal hein, pour les Kongdu. Kongdu en difficulté. Bah, ils ont plus MC. Enfin, ça se passe mal, ça va. Ils jouent les playoffs, ah oui, ça quoi. Ça va, c'est vrai. Ça va. Ça a remonté de ouf. Il y a eu une session entre temps. Faut voir. Mais ouais. Roach, Edge, Ace, Sol, Lubu et X en support. X le support. Lubu. C'est quoi ce nom à la con ? Lubu. Au moins qu'ils mettent un ou deux trucs derrière, qu'on rigole. Vas-y, continue. C'est les pseudos de joueurs coréens, c'est toujours hilarant. C'est génial. Il y en a un qui s'appelle Nugget quand même chez Reverse Gaming. Lich, l'autre s'appelle Lich. La laisse. Oh, il y en a un qui s'appelle Savage. Savage, le jungler. Oh. Savage contre Mowgli avec Tarzan. Oui. Oh, Kuma, comme le personnage dans Tekken. Ouais. Effectivement. Hybride Lucifer. Lucifer. Gap avec les trois grandes lettres comme la marque. Attention, copyright, monsieur, copyright. Oglet, Duren.
Excellent les pseudos coréens. Bonnie cover. Et je lisais un Showmaker. Et je m'appelle Showmaker, je suis mid laner. Ouais, c'est trop stylé, je trouve. Si vraiment t'es un joueur un peu ballsy et tout, c'est cool. Si tu joues Malzahar, t'es un sacré. J'avais lu un commentaire qui m'avait fait rire et c'est un mec qui disait quand même Riot doit être satisfait que le joueur le plus connu de leur jeu a un pseudo stylé, tu vois. Parce que c'est clair que. Ouais, si c'était Sprat, la Sprat. Non, c'est Faker quoi, tu vois, mais ouais. C'est vrai que. Attends, je réfléchis à des pseudos. Non, un petit Pékin Ouf. Pékin Ouf. Je l'avais oublié lui. Pékin Ouf. Ou Shrimp. Shrimp. La crevette. Il est musclé. Ah ouais, non, mais c'est vrai que. C'est vrai que bon. Pékin Ouf. Wild Turtle, j'avoue, la tortue sauvage. Ouais, Wild Turtle, ouais. Le MVP, c'est BDD. Voilà. Qui monte les muscles. En tout cas, il les a montrés avec Ryze. C'est peut-être plus convaincant. Oh là là. 5-0-3 pour BDD. Qui Pekka nous a sorti une perf de l'enfer, hein, vraiment, avec son Ryze. On a beaucoup aimé Twix, on a validé. Voilà, donc dites-nous, hein, est-ce que vous seriez pour que Pékin Ouf ait été le joueur le plus connu de l'histoire de League of Legends, mec, mais un pseudo légendaire, hein. Absolument Mini légendaire. Mini-Troubac, c'est un peu pourrave aussi. C'est un peu naze, ouais. C'est un et Attila... Ça manque un peu d'originalité, ouais. Un peu, mais c'est ok. Ça va, mais c'est... Disons qu'il a une dégaine un peu de guerrier, quoi. Il a pas une dégaine fragile. Il y a Konkon. Konkon, ouais. Ouais, mais vraiment les NA, hein. Ouais, c'est le vivier, hein. Ouais. C'est de là que tout vient. Évidemment, KiwiKid, Cutie Pie. C'est pareil, hein. Même si, bon, aujourd'hui, c'est un gage de qualité, Cutie Pie, évidemment. Ce n'était pas toujours le cas, ouais, j'avoue, Chips, X, bon, ouais, ça va, on n'est pas problème. Non, mais on s'en fout, non, on n'a pas dit. Et d'ailleurs, mon pseudo originel n'a jamais été Chips. Hein. Non, ça est... vas-y, dis-le. Quoi, dis-le. Dis ton pseudo originel. Mais j'en ai pas, enfin, j'en ai plusieurs, quoi, mais. On a plusieurs. Est-ce que tu donnes celui que tu utilises sur les Battle Royale? Ah, sur les Battle Royale, je m'appelle Ponzor. Ponzor. Non, mais récemment j'ai sorti quelques pseudos sympas, genre j'ai eu Ponzor sur Master X Matter, si je m'appelais Poutreur. Et sinon mes pseudos c'était des trucs genre quand j'étais un gosse, genre je reprenais des pseudos, enfin des noms du Seigneur des Anneaux et je mettais des trucs derrière, tu vois. Genre voilà, enfin, mon perso sur WoW s'appelait Arendil, tu vois. Ah, Arendil. Ah, c'est, et Arendil, c'est, voilà. C'est bien. Voilà, ouais, donc ouais. Voilà, mais franchement Poutreur, Ponzor, j'ai un petit truc, enfin ce filon là me plaît bien en termes de pseudo Twix. Papa Schultz, ouais, bien sûr. Voilà. Voilà, mesdames et messieurs, qui conclut cette semaine 7 de LCK. N'oubliez pas, ce soir, rendez-vous 22h pour les LCS ANA, peut-être pour contempler la 6e victoire consécutive de Zaboutine. Ce sera la dernière game de la soirée contre Clutch Gaming. Donc, entre-temps, bien sûr, il y aura 4 autres matchs qui valent le coup d'être suivis, puisque c'est aussi également la conclusion pour bientôt la conclusion pour les LCS ANA. On se retrouve, eh bien, bah ce soir, tout simplement. Ce soir pour la suite des LCS NA, bien entendu. Et peut-être pour le 6 victoires d'affilée pour Zab. Attendez, Zab qui joue juste. Il joue contre Clutch en dernière game. Il joue Clutch en dernière game. Il ouais. Oh, y a moyen, il y a vraiment moyen. Pourquoi il joue toujours en dernier? Ça me saoule. C'est contre Clutch. Et Clutch c'est vraiment pas... fatigant, quoi. Mais bon. C'est pas le match hype. Hein, voilà. Sur ce, on espère que vous avez passé une bonne matinée, un bon début d'après-midi. En notre compagnie, on tire notre révérence. Et voilà, Twix et Poutreur / Ponzor / Roxor / Chip / Papa Schultz vous souhaite un bon dimanche. Translation of our final interview of the night. Thank you very much. This is Jason with your interview translations, and today we're gonna have an interview with Khan and BDD from Kingzone Dragon X. Congratulations! 네, 아 건강하시죠? 아 네, 건강. So, Khan, are you feeling well? Yeah, I'm totally fine. 대처를 못했던 게 언제는 아 계속해서 좀 기억이 남더라고요. 이렇게 건강한 모습으로 다시 보니까 너무 감사해요. So good to see you back with your full health condition. 소감 말씀. So, how do you guys feel about today's victory? 네, 승리 소감은 말씀드립니다.
이제 남은 경기들이 이제 1, 2, 3, 4위 다 한 끗 차이기도 하고 해서 So you know the rankings are so close so I really wanted the 2-0 victory so it's really happy I'm going to make sure to come back with better performance for our upcoming matches 어떠신가요? 오늘 깔끔하게 연습 경기처럼 이긴 것 같아서 I think it's really good that we performed as we do in the practice games and I think we have to go back to our gaming house and practice more 한 선수는요 현재 또 MVP 포인트가 워낙 높으세요 You have the most MVP points so far, so you reached the first place. Well, MVP points, yeah, it feels good when you get it, but I don't really pay too much attention on it. I think all the teammates should share it. 팀원까지 챙기는 좋은 모습이었고 이제 1세트부터 얘기를 한번 물어봐야 될 것 같아요. So moving on to game 1. 1세트에 뭐 거의 칸 선수 매드무비라고 불러도 It was a montage for Khan Gragas. 드라가스로 굉장히 좋은 모습을 보여줬었는데 처음에 선취점, 솔킬을 So the first blood was your solo kill. 장면과 함께 감상이 궁금해서 네. This is a replay. 부탁드리겠습니다. 아니 그라가스로 솔킬은 사실 아무도 예상 못했어요. Is it easy to is it easy to make solo kill on Gragas? Well, during the practice games, I have tried Gragas against Jace a lot, and I was really quite confident. 처음에 3레벨쯤에 이제 and in level 3, 한번 갱킹 시도하면서 Peanut had a gank attempt, so Jace was very low in health, so it was kind of easier for me to make a solo kill. 빠져나갈 수 없는 수렁을 오늘 많이 만드셨죠. 네. 이거 원래 구도를 좀 And Gragas' Camille engagement was so strong with all the CCs. 좋아서 쓴 게 아니고 그냥 Well, we weren't really thinking about Gragas Camille composition, but we were just picking some good champions, and those were Gragas and Camille, so we weren't really sure which champion to put on top lane and jungle. We were even thinking about Gragas support. And I think we were able to make better result than we expected. I would have died there. 또 이제 다양한 또 선수들이 활약을 해줬는데 이런 얘기도 한번 물어보면 좋을 것 같아요, 인정 해설이. 네, 오늘 또 프레이 선수가 And Prey, he played Ash for twice. 좋은 모습을 보여줬었잖아요. 이런 건 확실히 He was a totally great sniper throughout the games. 미드에서 아지를 맞췄을 때 같은 경우에는 칸 선수가 그렇게 몰아 So what are your comments having Prey, Ash in your team? 네, 어떤 생각이 드시나요? 보통 그런 애쉬 궁극기 네. 이런 거 보면 아니 저게 어떻게 맞죠? How can that land on Azir? Well, I was really amazed by that. You know, he's really well known for being a really great sniper. But you know, it's praise Ash. I don't really get surprised a lot. It's just natural. This is just normal praise play. He's always sexy playing Ash. 같은 남자인 칸 선수가 볼 때도 네. 그런 매력을 발산하는 I guess Praise Ash is quite attractive. So BDD, is there any other comments? Well, I'm used to that, his plays. But every time he showed me the different sexiness as an AD carry player. 그렇습니다. 이제 BDD 선수 이야기도 좀 한번 해보도록 할게요. So moving on to BDD. So how do you rate Ryze as mid-champion? 무너지는 모습이 좀 많이 나오잖아요. 어떠신가요? 요즘 그 영겁의 지팡이라는 아이템을 안 가서 데미지가 커졌고 Nowadays, I think Ryze players don't really build up tank items, so I think it got a little bit more stronger in terms of damage dealer. 영겁의 지팡이를 갈 때는 조금 탱키한 이런 챔피언이었는데 요즘은 또 주문력 위주의 아이템을 올리면서 더 I guess AP item builds kind of added more power to Ryze nowadays. 진짜 많이 오늘 내셨는데 사실 이제 1세트와는 반대로 2세트에서는 However, game 2 was a little bit the other way around. You know, there was an accident in bot lane. But how were you guys were able to recover from all that? We actually didn't think that we were that behind, so we just had a communication about how to focus more. I can't really remember exactly, but at the Herald fight, I think we were able to kind of recover. 사실 이때부터가 좀 반전의 시작이었다. 뭐 기세가 so this moment kind of made things of to turn the game around, right? 이때 세주환이 그대로 잡아내면서 이 손에 적이 갈 때 You took down Sejuani, so how did you plan that?
Well, Pina told me that he was there, so I was able to take him down. And then we were able to pick up consecutive kills over there. Khan, you also struggled a little bit in the top lane, right? 플레이하시면서 어떠셨어요? 어, 뭐 이 대각선의 법칙이라고 하는데 you know what have what 무언가를 하고 있었기 때문에 you know every League of Legends players our whenever our bot laners trying some more things I have to kind of back off but I was kind of getting too excited so it was my mistake 중간에 이제 상대방이 탑을 노리는 장면에서 고릴라 선수가 순간 이동으로 넘어오면서 또 But, you know, Gorilla made a great backup using his TP. 그 장면을 보면서 또 얘기를 해보면 좋을 것 같습니다. 한번 네, 조금 기다리면서 so let's go through the clip together. 해보실래요? 설명을? 뭐, 네, 나오네요. 네, 그래요, 이 장면이었는데 말씀 좀 부탁드리겠습니다. What was going on over there? 어떤 콜이 오갔는지? 뭐 이때 일단 피넛 선수도 탑 근처에 있었고 Well, Peanut was really close to me and also Gorilla said he has TP to help me out. 이때 그냥 좀 뒤에 있다기보다는 좀 So I just wanted to play a little bit more aggressively. 그리고 BDD 선수가 중간에 광대의 진영을 전멸로 피하면서 BDD dodging the ultimate and he was able to pick up the kill. It was just perfect. 계속 뭔가를 이용하신 것 같아요. 오늘 경기가 좀 잘 풀리셨나 봐요. BDD 선수. 네, so how was today's game? 저희가 최근에 연습 경기에서 좀 호흡이 잘 맞아서 Well, recently we were having really solid teamwork during the practice game, so I was a little bit confident. 선수들은 당연하고 나머지 선수들도 정말 좋은 경기를 보여주면서 2대0 승리를 가져갔던 것 같습니다. 그렇습니다. 자 이제 남은 경기 정말 서머 스플릿 막바지인데 Your next opponent will be SK Telecom. 거기다 압도적으로 또 승리를 하시면서 더 이제 기세가 좋을 것 같다는 생각이 들어요. Well, you guys did pick up 2-0 victory today, so you guys must be really confident, right? 자신없는 척 하시는 것 같은데 아니죠? 한번 그러면 두 선수 각오 한번 Is there any last message regarding to the next next 이번 썸머가 matchup? 누구한테도 질 수도 있고 이제 누구한테도 이길 수 있다 보니까 딱히 이제 순위 You know, this summer split is so close. You know, every team can win and lose. So we shouldn't just let our guards down to complete the season with great results. 자, 우리 BDD 선수도 And BDD, that is a must-win matchup for us, so we're going to make sure to come back with clean performance to fight against SK Telecom. So this will be the end of the interview with Khan and BDD from Kingzone Dragon X, and I'm going to pass it back to our casters. Thank you.